Page de stream. Tac. Tac. User left your channel. Hop. Tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, jouer. C'est parti. C'est parti. On va tout dépenser. On va tout dépenser. J'ai trop hypé. Vite, de la lumière. Faisons la lumière sur cette affaire. Faites que ce soit pas fermé au moment où je me connecte. Verre de coca. Il va y avoir un choix à faire dans la voiture, de voiture. J'ai déjà fait un petit peu de choix. J'en reparlerai quand on y sera. Oh non, ça c'est pas bon signe ça. Cause de ça, je vois. Bizarre. La fin de vie de ma souris peut-être. Et ouais, je suis là. Coucou Julien, comment vas-tu? Comment vas-tu en ce mercredi? Tu vas être là pour le grand achat. Tu vas être là pour le grand achat qu'on attend depuis si longtemps. Ça va, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, ça va. Alors, je sens que mon nez va couler là. Trop de stress là. Il faut que je me mouche. Voilà. Je veux un disque dur externe. Pourquoi t'as besoin d'un disque dur externe, Julien? Dis-moi tout. Pourquoi cette envie soudaine? C'est pas de bol, Noël vient de passer. T'as plus assez de place pour tes jeux? Hop, voilà. Bon, Arma va se lancer. J'ai pas de place pour Genshin. Ah! Je me doutais bien que ça allait être un problème de niveau jeu. Du coup, je peux débrancher ça. Tac. Eh bah écoute, faut investir. Faut investir. Si jamais t'as reçu de la monnaie pour Noël, il va falloir commencer à l'investir. Je sais même pas où ça s'achète. Je pense que dans tous les trucs qui vendent de l'électronique, ça doit se trouver, non? Moi, je sais pas. Sinon, Internet, hein. Internet est la solution. Ouais, je peux comprendre clairement. Pour moi qui suis sur PC portable, je t'avoue que gérer la place sur le PC, c'est compliqué, hein. Je pense que je ferai le même investissement que toi bientôt. Je vais bientôt en avoir besoin parce que ça commence à me saouler de toujours désinstaller mes jeux en fait, hein. Clairement. Donc c'est un poil relou. Mais User bon. joined your channel. Allez. J'en ai à 17 euros. Il y a combien de places dessus? Pour 17 euros, tu peux avoir combien de places dessus? Alors, j'ai du mal à me représenter, je connais pas. 6 téra de place. Ah ouais, pour 17 balles? Bah User joined your channel. ça va en vrai. Moi, je sais même pas comment ça marche les disques durs externes. Ça veut dire que, en gros, si jamais t'as envie de jouer à un jeu, tu branches le disque dur et tu peux lancer ton jeu sur le PC. C'est ça l'idée. Enfin, en gros, le jeu est installé sur la disquette. Et donc, du coup, tu peux le retirer comme tu veux? Je crois. Ok. Ouais, ok, je vois le principe, mais en vrai, il m'en faut absolument, moi aussi. User Ça me left sera your tellement channel. utile. Mais je savais pas que c'était aussi peu cher, en fait. User joined your User channel. Enfin, tu me diras, 6 téra, ça descend vite, hein, quand tu télécharges plein de jeux. Team PC portable, ah, nice! Bienvenue au club, Julien. Pour Arma, c'est un avantage, hein, parce que tu vois, mon jeu, il lag presque pas. Hein. Faut bien qu'il y ait un jeu pour lequel il y a un avantage. Ça fait 6000 gigas, ouais, t'as quand même le temps de bien les remplir, quoi. Si jamais t'as pas non plus des jeux qui prennent trop de place. Après, la User map de joined your Genshin, je sais channel. qu'elle est lourde, je crois, non? Ça doit prendre pas mal de place. Après, moi j'ai toute la map de Sea of Thieves aussi encore d'installer, donc. Bon, 14 gigas, hop, c'est pas énorme. C'est pas énorme, tu vois, j'aurais pas dit. J'aurais pas dit en vrai. J'aurais pas dit. Allez, on va faire un achat de voiture à la sport car. Ça va être un bonheur.
Faut que j'ai le. Celle d'avant, c'était 54 Go. Ah oui. Ah, et du coup, c'est la match que tu peux pas télécharger, du coup. Du coup, je voulais. Faut que j'aille revoir quel genre de véhicule je voulais. Que je revérifie ce que je dise pas de bêtises. Hop, on va aller voir. Channel switched. Tac, tac. On retourne voir. Tac. Samsung Internet. Hop. On va à notre maison de. Bah non, on va spawn la Neo Shori directement. Tac. On va faire ce qui nous intéresse direct. En plus, il y a Xiao. J'avoue. J'avoue. Sport car, tac tac tac. Ouais, par contre, moi c'était Lamborghini. Combien elle est? Oh, largement pas suffisant. Ça doit être encore plus loin. C'est peut-être celle-là. Non, c'est encore plus loin, encore plus cher. C'est celle-là. Voilà. Allez, let's go. Xiao, c'est Xiao, ouais. Cet argument me plaît. Par contre, faut que je mette le ventilateur du PC en marche vite. Parce que là, il est pas content. Clairement, cet argument peut prouver tous les achats. Ça justifie tous les achats plutôt. Xiao, tu peux pas comparer. Oui, je confirme. Tac, 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 tac. Allez vite, ouvre-toi là. Allez, allez, vite. Parce que là, le PC, il est en train de cramer. Hein. Hop. Voilà, ventilateur effectué. Alors du coup, c'est une Lamborghini Veneno, moi, que je veux. C'est-à-dire un petit achat à 16 400 000. Disons que il faut les moyens. Hein. Allez hop, on descend à la sport car. On y arrive comme un roi. Juste, faut juste que je retrouve ma route. Voilà, par là. Bel et bien par ici. La promotion est face à Xiao. Bon, après, c'est normal de viser le personnage que tu as envie. Hein. Clairement, je fais la même chose sur Akemi. Hein. Hop. Donc, du coup, j'ai 30 millions, mais on va y aller sur du 13 millions. Hein, on va pas faire un achat non plus abusé. On connaît les bails. Allez, let's go. Best perso animaux. Ah! D'accord. User joined your channel. User joined your Ah channel. ouais! Ah oui! Ah, ça décore bien! Ah, franchement, ça rend bien! Microphone muted. Microphone Il est activated. pas là, le Japon? Ok. Enfin, Du devant coup, là. un pour toi, un pour moi, c'est ça? Oi. Microphone Ça muted. me fait déjà plaisir. En plus, pour le disque dur, la livraison est gratuite. Ah, nice! Bon. Ah, Microphone activated. franchement, ça vend du rêve, hein. Ouais. Ah, moi j'attends que le bug soit là parce que Lamborghini russe d'occasion, pourquoi pas, hein. Ouais, je sais même pas à quel prix elle va être vendue, en vrai. Bah, c'est vrai qu'on s'en fout qu'elle soit d'occasion, au final, hein. Ça peut permettre d'avoir une ristourne, let's go. Bah, le bug il est pas trop là, j'ai l'impression. Ouais. Oh, il va sans doute arriver dans pas longtemps. User joined your Après, faut channel. voir si vous avez les moyens. Je sais même pas c'est combien. La Dire quoi? Lamborghini russe de base, c'est 3,5 millions. Ah, le prix de la Lamborghini, c'est 3,5 Lamborghini russe. millions? Ouais, donc d'occasion, ça doit. Oh, ça doit pas être trop Ouais, c'est trop. un peu quand même. Bah, en vrai, let's go. Ah, il y Je en me a qu'une seule, hein. demande c'est laquelle la voiture la plus chère dans toutes celles-là. J'avoue que j'ai pas une idée de. Celle-là, Sur le là? catalogue, hein, si vous voulez. Ouais, non, je sais, j'ai vu le catalogue, mais bon, j'ai pas trop le courage de comparer toutes les voitures. En plus de ça, avec les voitures. La Bugatti, elle doit être trop chère. Ouais, bah là, clairement, je vais dépenser du budget, là. Je Est-ce qu'il crois y a des pas. Tesla? Ah, malheureusement, Non, je on a crois une pas, j'en ai catégorie pas vu dans le Tesla. catalogue.
J'avais pas vu dans le catalogue, mais là clairement, il y a la moitié du budget qui va partir. J'attendais l'ouverture de la Sport Card depuis tellement longtemps. Moi je vais prendre le Lamborghini Urus. Moi j'y vais parce que j'ai pas de budget là-dedans. Ah. Allez, à plus tard, monsieur. Alors, chacun ses choix, hein. Alors, moi je vis pour me faire plaisir, hein. Ah bonjour mon brave. Ah formidablement bien. On observait ses beautés. Moi c'est Lamborghini Urus d'occasion. D'accord, bah c'est celui-là, donc en fait c'est. Bon je vais pas le vendre beaucoup moins cher, mais parce qu'en fait je me suis trompé de couleur pour un client, donc il m'appartient. Mais du coup je le vends 300 000 moins cher et au lieu de 5 millions 3 il est à 5 millions quoi. 5 millions. Bonjour. Ah, c'est cool, le prix a tout de suite augmenté. 5 millions, le 5 millions 3, messieurs. 5 millions, écoutez. Oh les enchères. C'est vrai que la couleur est pas incroyable, hein, soyons honnêtes. Hein. Il m'a déçu. Bon allez, 4 millions 2, 4 millions 2. 3 millions 2, moi je dis 4 millions 2, je ne parle plus. Y a quelqu'un qui m'a proposé 4 millions 2. Ah bah tant mieux pour lui alors. Non mais c'est un de vous en plus qui m'a proposé 4 millions 2. Ouais c'est lui mais il est là-bas. Oh les promesses. Moi 4 millions, je vous la prends maintenant là. La Lambo elle est à combien? À quelle? La Lambo. Il coûte combien de base celui-là? 5 millions 3. En plus c'est de l'arnaque, vos prix, il n'y a même pas la bonne vitesse dessus. Parce que moi, la Lambo, il y a marqué 350, elle ne monte même pas 350. C'est en même temps, c'est que si... Ah, Nice Lynn, comment ça va toi? Mais tant mieux si ça va. T'as pu aller acheter tes mangas, il faisait beau, hein. Tant mieux. C'est qui met 5 millions dessus? C'est pas les civils, hein, c'est les... Ah, bah clairement pas, alors. je préfère en acheter une neuve de la belle couleur, hein. D'autre côté là-bas, là. 4 millions 2, 4 millions 2. Non, 4 millions maintenant là. Oh, ouais, pour 200 000, monsieur le policier. Bonne journée. Dommage, c'est dommage, hein. Mais ouais. Qu'est-ce que c'est 200 000 Microphone muted. Oh, mais franchement, pour 200 000, c'est presque rien. Et il y a le catalogue sur l'île, hein. Et si vous avez, si vous avez pas 5 millions, vous avez pas 8 monsieur millions. Bobby. Ouais, j'ai 7 millions, quoi, question de pas. Prends la Lambo là-bas, vous aussi, ce mec. Là-bas. C'est ok. Ah. Là. User joined your channel. Et la Lamborghini qui est à droite là-bas. Hop là, 4 millions yo. Alors attendez, bougez pas, il me donne l'argent, je lui vends le véhicule et puis voilà. Ah, c'est quoi, c'est quoi vous, 890 mon Henri. Et le véhicule là, il vaut combien? Voilà, monsieur. Trop cher pour vous, monsieur. Ouais, tu connais pas. C'est un fonctionnaire qu'on peut acheter ça. Attends, je crois que j'ai pas de garage. Attendez, je vais juste. Monsieur, vous voulez le rendre dans le garage? Le microphone est activé. Venez, je vais vous le mettre devant le garage, venez avec. Combien? Taise-le, hein, taise-le, hein. Le bâtard, il t'a taillé, hein. Plus riche que lui. J'ai 27 millions. Ah, rien que ça. La police, ça paye, hein. Mais j'ai eu farm avant la police. Ah bah écoutez, il faut bien se trouver des apports d'argent. Hein. À côté, je suis un petit budget moi. Clairement. Bon, du coup, je veux le prix de celle-là s'il vous plaît. Attendez, je donne Rick Dieu. Parce que vous m'avez taillé, mais vous connaissez même pas mon compte en banque. Ah merde. Bon, alors la Koenigsegg One, bougez pas, je vous donne le prix.
Ah, vous êtes prêts, monsieur. Ouais, mais y a pas de soucis. 30 millions. Combien? 30 millions. Il manque 3 millions. Et là, combien? 30 millions. Elle est à 30. Waouh. Waouh. Wow. La Lambo, monsieur. Là, devant, là. 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 Alors, bougez pas, je vais vous faire. Oh. User left your channel. Il s'enrichit grave. Coucou Simon. Il s'enrichit grave le mandat. Ali, il va falloir sortir l'argent. Ah mais non mais t'inquiète, j'ai les moyens. Salut les amis. Bonjour. Bonjour la police. User joined your channel. Ah non, la 700. Attendez, oui, c'est 8 millions. Laquelle? Oh là là. Vous me demandez trop là. Où ça? Celle qui regarde là, celle sur laquelle il grimpe. User joined your channel. La Bugatti? La Bugatti Chiron, 28 millions. Ah, le problème, c'est les jantes quoi. Genre, c'est quoi ce rouge là? J'aime pas. Vous pouvez changer hein, la couleur. Hein. Ah ouais? Mais pas la couleur, je parle pas de la carrosserie, je parle uniquement des roues. Ah, pas les jantes, non. Ouais, ça me plaît pas. Ça gâche un peu l'harmonie. Vous avez pas sorti les couleurs qui attirent le plus. Hein. Après, monsieur, ça c'est le PDG. Oh, mais justement, tu sais, ça évite les braquages hein, si elle n'attire pas l'œil. Hein. Alors, celle-là, elle est à 5 millions. Oh, aïe aïe aïe. Tu m'as baisé pour le Urus, je lui ai dit un Urus qui m'a fait 5 millions. Non, moi je voulais le Urus 18. Hein. Ah bah écoute, il va directement te balancer le nom de la plus chère hein. Et je m'en bats les couilles, je prends une Rolls Royce. Coucou Mia. Non, je rigole, j'ai pas cette. Ça me fume la police qui vient acheter une Lambo, ouais non mais à l'aide. Révision encore, courage Simon. Ouais, ouais. Ah voilà, clairement je vais le rentabiliser, mais... Le rentabiliser comment? Dis-moi, vas-y. Et ben en faisant de la conduite, ça fout, voilà. Ouais, c'est ça. Ah bah clairement la beauté des yeux hein, moi ça rembourse tout hein. Alors du coup monsieur les civils, dites-moi tout. Moi c'est je vais faire le choix là, entre Lamborghini Urus 18 hein bien sûr. Non, Mike pas. Là, 18. Coucou Extrias, j'ai mis ma plus belle jupette pour mes achats. Ouais, pas de soucis. Ou alors la Audi. Comment tu vas RS7 Let's go réviser un contrôle SVT à force à toi Julien. Vous voulez les deux ou vous me demandez lequel est le mieux? Les deux, vous êtes gourmand. Non, je vais pas acheter les deux. Vous me demandez lequel est le mieux, qu'est-ce que vous voulez en faire en gros? Parce que la RS7 c'est un véhicule. J'espère qu'ils vont jeter des vêtements, j'avoue de ouf hein, parce que bon, il y a que des jupes hein. Parce que, bah, c'est un véhicule. Enfin, moi ça me déplaît pas, mais bon voilà quoi. Et le Lamborghini Urus après monsieur, c'est vraiment la frime. Oh la frime! Pour la frime! Un Lamborghini, c'est pas pour non plus, je pense, aller. Voilà quoi. Ah bah moi j'ai envie d'aller voir ma grand-mère avec ma Lamborghini, je comprends pas de quoi vous voulez parler. C'est pour impressionner du coup. Ah bah bien sûr, mais ma grand-mère elle est pas facilement impressionnable, vous savez. Ah ok. Je vais prendre l'Audi R7. Audi R7 Microphone muted. Je préfère les voitures quand même. Mais ouais, ça va nickel. D'accord. Ça va nickel. Vous pouvez me donner une carte d'identité. C'est pas super beau pour autant, il faut des cosplays avec des belles robes de diva. Oh, j'avoue! Oh, ça, oh, ce serait ouf! Oh, ce serait incroyable! Microphone activated. La sapologie, ça paye, il est temps. Alors, du coup, monsieur, vous la désirez en quelle couleur votre Audi RS7 Sportback? Monsieur! Microphone muted. Microphone muted. On dirait un élève maître. Alors dites-moi, il y en a pour 2 minutes. Hein. Dites-moi en quelle couleur la couleur. En couleur, nous avons le noir, le blanc, le bleu, le jaune, le orange, le rouge, le vert, le violet, le gris, le rose. Est-ce que vous avez jaune comme la veste? Comment? Le jaune. Il est comme ma veste ou pas? Le jaune, il est ouais à peu près comme votre veste, ouais. Vous avez acheté quelle voiture? En jaune. En jaune, jaune. Bah, c'est dommage, hein. Tu vas revoter. Moche. En jaune, attends. Comme vous voulez. En noir. Après, comme ça, je sais qu'en noir, en vert, en bleu et en rouge, ces trois couleurs sombres et ils sont très sympas sur la RS7. Mais dommage qu'on n'ait pas un catalogue pour voir les couleurs à quoi ressemblent. Sais, mais en fait, il faut que je vois avec le PDG pour ajouter ou même un simulateur. Attendez, je suis en train de regarder pour ma voiture du coup. Comme si vous voyez le concessionnaire, mais que vous pouvez regarder toutes les couleurs quoi. Et l'Albanie Roosevelt, vous la recevez quand là? Une question, je suis arrivé hier soir. Ah, ça
prix, elle vaut 60 000 euros. Ah, je sais. Ça fait un beau paquet. Non, non, vas-y, je vais la prendre en rouge. Hein. J'ai encore de. Regarde catalogue 33. T'en penses en quoi, rouge. Regarde la 33, pas le catalogue. Attends, là, je vais acheter la 60. Tac. 3 500 000 la RS7. Hop. Ouais. Bof. Prends la lambeau derrière toi. Là. Elle est belle, oui. Tenez, monsieur, regardez sur le comptoir, je vous pose le contrat. T'as combien d'argent, Dali? J'ai assez, Julien, c'est tout. J'ai assez, ça me suffit. T'as raison, je me ferais grave plaisir. Mais t'es ouf, la même. C'est trop drôle. Je vous laisse retirer 3 500 000 et me les donner, s'il vous plaît, au rib 890, s'il vous plaît. Allez sortir votre formule. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est combien la Ventador là-bas? Alors, c'est une Huracan, monsieur? Attention, vous êtes pas presque ce qui va se prendre, ce qui va être pris là. Regardez. Celle-là là, 6 millions. Ouais, je crois qu'elle a 6 millions, je l'avais acheté 6. Alors bougez pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 millions. Regardez sur le catalogue. Bon, je vous ai donné un. Microphone activate. Je vous remercie. Même celle-là. Microphone muted. Microphone activated. Ah, je suis un peu en roue en ce moment. J'arrive. Vas-y, passez mon brave. Ah non, mais là, il y a tout qui part, Trias. Hein. Il est riche, il fait des affaires de fou. Non, je fais pas des affaires de fou, mais là, j'ai tout dépensé, là. Covid aid, non. Ah, je me sens bien au milieu de toutes ces voitures. Sympa. C'est pas précisé dans le contrat, ça, à l'achat. Je te l'aurais bien entendu. 14 000 points de chaîne, Stonks. Stonks, Julien. Ça fait rien quand elle va tomber dans le fort, c'est la sortie du concessionnaire, jamais. Microphone activated. Vous avez en fait des bonnes affaires. Microphone muted. Microphone activated. Ah ben, je vous remercie en tout cas, monsieur. Merci bien. Vous êtes une bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, c'est pour moi. Eh ben écoutez, pour moi ce sera une Koenig Seg Gemera 21. Pour de vrai. Pour de vrai. Et je la veux en bleu si possible. La Koenigsegg Gemera. Exactement. Ah ouais. Monsieur, attendez, là, j'ai un très bon client. Je suis si heureux de pouvoir dire ce nom. Ah bah c'est bon, je peux vous les donner tout de suite. Est-ce que attendez, on va remplir le contrat, tout ça. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte d'identité? Bien sûr, tout de suite. Tenez, c'est pour vous. Ça va, il y en a qui sont plaisir. Voilà. Alors, monsieur Stéro. Exactement, c'est moi-même. Vous achetez quoi à 30 millions, monsieur, si c'est pas discret? Une Koenigsegg Gemera 21. Faites attention à pas vous la faire braquer. Non, bah je vais faire de mon mieux, hein. 30 millions, c'est vrai que bon, ça fait quoi? Alors là, Gemera 21, en bleu. Exactement, et en bleu si possible. Sacré paquet de poignons. Je suis choqué là. Ah bah je sais, je peux comprendre. Ça fait longtemps que j'attendais l'ouverture de la Sport Car, mais. Alors, du coup, je vais vous poser le contrat ici, donc avec les conditions, le prix du véhicule. Bien sûr. Et puis voilà, hop, tenez. Je vous laisse faire une petite signature et puis bah, après, bah, me donner l'argent en cash pour pas que vous payez. C'est tout bon. Voilà. Hop. Hop. Et hop, je vous donne l'argent tout de suite. C'est le 880. Je serais très heureux de ne pas me tromper. Pas mal, je pense. Ouh là là, j'ai jamais fait un chèque à de ce montant, dis donc. Hop. Et voici pour vous. Oh, je reviens, je vais sortir votre bolide. Attendez, je peux vous accompagner? Oui, venez, suivez-moi. Là, vous êtes VIP. Ah, bah, formidable. Si j'ai le droit à un petit rafraîchissement, ça sera parfait. Alors. Gemera 21 en bleu. Attention. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Oh purée. Alors pour vous dire, je l'ai testé tout à l'heure pour aller mettre l'annonce. Ça monte à 400 en l'espace de 5 secondes à peu près. Ça me touche beaucoup, j'ai beaucoup aimé les portières.
Ah oui, les portières, c'est vrai que c'est quelque chose aussi. Elle est assortie à mon sac, ça c'est vraiment nickel. En tout cas, venez avec moi, je vais vous faire. Pas de soucis, j'arrive tout de suite. Je vais vous donner les clés, le double des clés, et puis voilà quoi. Allez, on sera pas. Certificat de vente, hein, parce que bon, wow. Ah bah là, clairement. Ah, c'est. Ouais. Très bel achat, très bel achat. En tout cas, pour l'instant, vous êtes mon meilleur client. Hein. Ah bah ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bon, j'ai envie d'entretenir des bonnes relations avec les entreprises de Lille. Je crois que c'est une dépense utile. Ah, merci beaucoup. Alors, hop, donc je vous pose ici les clés, des clés et votre contrat de vente, monsieur. C'est bon, j'ai tout dans les mains. Bon pour vous ? Ah, c'est parfait. Merci de nous avoir choisi. Ah bah avec plaisir, hein, je suis totalement satisfait. Une bonne route et faites attention à vous. Parce et que merci beaucoup. Véhicule de tel. Oui, je sais, ça attire les convoitises, mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi me défendre. Oh, okay, j'ai l'argent pour être défendu. Allez, bonne journée. Une bonne journée à vous, monsieur. Au revoir. Monsieur ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, on serait intéressé par le voiture. Oh là 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 là. Microphone muted. Regardez-moi ça. Oh! Oh là 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 là! Faut que je l'assure par contre, hein, je vous le dis. J'adore ce que je vois. Par contre, pour sortir, c'est vraiment pour l'exhibe, pour le coup. Oh là 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 là! Et voilà! Ça va, elle est mignonne. Il se met bien ce monsieur. Ah mais non, mais là je suis heureux là. Pas besoin de négociation. Mais non, mais les négociations c'est pour les pauvres. Alors du coup, combien ça va me coûter l'assurance? 6 750 000. Mais bon. C'est pour la voiture, hein. On l'assure, hein. On a pas envie de la perdre, hein. Oh purée, elle est belle. Sympa la voiture. Elle a coûté combien? Elle a coûté 30 millions, Linae. J'ai combien sur mon compte maintenant? J'ai 1 742 000. Je suis pauvre. Non, mais franchement, ça valait la peine. Mais par contre, oui, je vais clairement aller la sortir dans un endroit où elle sera safe. Hein. Bon, en évitant de me coucher par terre. Maintenant, t'es aussi riche que moi. Ah bah là... User joined your channel. Tu as un demi de ma fortune maintenant. Ah mais clairement, ça en valait la peine. Hein. Je suis satisfait, ouais. C'est... Ah non, mais les portes qui s'ouvrent comme ça, tu vois, ça c'est mon péché mignon. T'as entendu le bruit qu'elle faisait? La pauvreté, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'altise et ça me tente. Ah mais là, je suis refait. Comment ça va, Chibi? Ah là là. On va retourner farmer de toute manière. De toute manière, c'est notre but, hein. On est là pour acheter des belles voitures. Hein. On est là pour acheter des belles voitures. J'entends une voiture. Disons qu'elle sera sortie uniquement pour les grandes occasions. Imagine, tu fais le saut de la dernière fois dans cette voiture. Non, mais clairement, je roule à 30 km/h. Hein. On va aller la tester à l'aéroport. J'ai envie de rejouer, mais il n'y a pas Daniel et puis la diamant des foules fermées. Ouais, c'est ça le problème. C'est clair, tu trouveras pas dans le compte. Go faire un excès de vitesse à 400 km/h devant la police de ouf. Comme ça, ils prennent mon véhicule. Yes. À la fourrière, je sais même pas combien ça me coûterait de ressortir le véhicule de la fourrière. Hein. Et toi, Lunet, ça va? Je t'ai même pas demandé. Attends, on est à combien de nourriture? Je suis peut-être en jupette, mais j'ai les moyens. La fois, c'est 300 000. Ah, c'est peu importe la voiture. Bon, tant mieux. Microphone activated. Oulala! Bonjour! Bonjour! Ah bah je pète la forme et vous?
très bien. Je viens de faire un merveilleux achat. Merveilleux achat à la sport car. Ah, exactement. Ah, c'est mon péché mignon. Ah, bah, si vous voulez voir l'engin, ce sera avec plaisir. User left your channel. Hop. Pardon. Alors du coup. Oh putain, ça monte vite. Waouh. Wow. Faut pas que je l'abîme. Je commence déjà mal. J'ai envie d'aller voir à l'aéroport ce que ça donne. Sur la route de l'aéroport. Ça, le bruit qu'elle fait. Elle pousse un rugissement à chaque fois qu'elle démarre. Hein. Je veux dire, je regarde pas le chat. Hein. Je me concentre sur ma conduite. J'entends le bruit qu'elle fait à 400 km/h. Ah ! Oh, ça va, elle a bien résisté. Je pensais qu'elle allait casser. En vrai, elle fait pas beaucoup de sortes. Elle dérape pas du tout. Hein. Alors, ça, clairement. On va aller sur l'aéroport. Let's go ! Miaou ! Miaou. Let's go. Woohoo. Oh punaise, ça va super vite. Youhou. User joined your channel. J'adore ce que je viens de dire. Elle ralentit super bien. Comparé à l'ancienne voiture à 4 millions qui avait un peu de mal, disons. Franchement, c'est ultra stonk. Elle est bien plus maniable en vrai. Hein. Oh, pas ça ! Ah ! Ah, par contre, pour ouvrir les portes. J'aurais les deux mains sur la poignée. Oui, bah oui, mais bon, hein. On fait ce qu'on peut, hein. J'ai jamais dit que j'étais bon de conducteur. Je suis peut-être riche, mais je suis nul en conduite. Ok, bon. Déjà, elle s'est retournée sans me tuer. Oh, j'adore les portes comme ça. Ah, mais c'est mon péché mignon, ça. Hop, je ressors. Par contre, pour ressortir, ça prend une heure, hein. Ça prend une heure, zéro farm avec ça. Bon, attendez, on la répare. J'ai envie de voir ce que ça donne quand elle est un peu abîmée. La vitesse. Il s'est déjà pris. Vous voulez voir l'engin. On va dire que ça pourrait être pire et que là je me repose un peu mon cerveau. Ah, courage Lunaï, j'ai vu ton tweet mais je l'ai pas lu parce que je venais de lancer. MDR porte papillon. Ah, j'adore ça. Alors ça, mais j'avais. C'est vraiment pour l'exhib. Hein. Pour le coup, là, tu fais rien avec ça. Hein. On va quoi. C'est pour le style, c'est pas grave, tant que les portes s'ouvrent bien, c'est bon. T'as vu ça, le démarrage, elle démarre pas. C'est trop bizarre, je vous jure. Hein. C'est grave étrange. En fait, elle démarre pas. En gros, quand elle fait du surplace pendant 5 secondes. Même le dessus est cassé, oui. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Regardez, vous allez voir, quand je suis arrêté, que je fais engine off. Là, je relance. Elle va pas démarrer tout de suite. Bah là, elle aurait dû, mais elle l'a pas fait. Écoutez, je me comprends. Comme les motos, voilà. En tout cas, elle démarre pas instantanément. Oh, c'est très classe quand même. Ah ouais, là, elle est pas réparée complètement, donc elle va pas monter à la hauteur qu'elle pourrait, mais. Mais ça va déjà très vite. Par contre, le frein à main n'est pas incroyable. Je vais tester le. Enfin, j'ai testé le frein de base, je vais tester le frein à main aussi.
D'autant que le moteur chauffe, ouais, c'est ça. Ouais, regardez, regardez le temps de freinage. Tu conduis stylé, mais faut prévoir hein, quand même. Hein. Faut être assez prévoyant. Hein. Regardez-moi ça. Oh, faut être prévoyant. Ouais, pour l'exhib, je veux juste les porte-papillons, moi ça me va. Youhou! Il y a des gens qui passent, hein, mais bon, ça c'est un détail. Mais clairement, l'avantage c'est qu'ils pourront pas me rattraper si jamais ils me prennent en course-poursuite. Hein. J'adore. 820 points, Ali. Ah! Il arrive pas à me rattraper. Je suis mort de rire! C'est les flics, merde! Attends, c'est la police. Bonjour. Bien sûr, je peux descendre du véhicule. User joined your channel. On peut savoir ce que vous faites ? Eh ben, écoutez, figurez-vous que cet aéroport, c'est un des rares endroits plats d'Altis. Ouais. C'est normal, c'est une piste d'atterrissage, une piste de décollage. C'est vrai, j'en conçois. J'en conviens, mais je comprends bien. Je suppose que vous êtes ici pour me disputer, car je n'avais pas le droit, mais je me suis dit que l'absence d'avion pouvait m'autoriser à faire... Si vous voulez conduire votre voiture, il y a un circuit de cartes là-bas, si vous voulez. C'est vrai, mais je pense pas qu'elle soit adaptée pour ce genre de circuit. Mais en fait, je veux pas vous voir ici faire des pointes de... J'entends bien, je comprends bien. Prenez de la carte, voiture, non? Exactement, messieurs. Il y a pas beaucoup de longueur de piste sur le circuit de carte, mais bon, au moins... J'entends bien, c'est évident et je comprends, vous faites votre travail. Donc on va vous escorter sur la... C'est tout à fait normal, et je vous en remercie. Vous l'avez acheté combien, du coup, celle-là? 30 millions. Oui, ok, ouais, un peu trop cher. Escortez-le sur la route, du coup. Microphone muted. Un peu lent dans la voiture de flic. Tu me demandes qui est pas gentil, je sais. Non, regarde, y a pas d'amende. Pas d'amende pour des gens comme moi. Jamais, Extrias. Je m'en sors toujours. Microphone activated. Parce que ce sera bon là. Ouais, c'est bon. Alors, bah, en vrai, je suis satisfait. Hein. Le petit soupir. Ouais, le soupir dit « Ah, oh, j'en ai ras le cul de mon taf. » Non, mais je suis content de mes tests. Et puis les amendes, c'est pour les nuls, hein, encore une fois. Hein. Non, et franchement, le jour où quelqu'un me mettra une amende, c'est pas demain. Hein. Par contre, c'est bon, on n'a pas le droit de passer, là. Au secours. Voilà, on passe. Hop. Eh ben, plutôt content de mon achat. Surtout les portes. Juste sur les portes. Une escorte à la vie de Seigneur, bien sûr. Ah, oh, j'adore. J'adore ça. Le bleu, je pense que le bleu, c'était la meilleure couleur à choisir. Imagine, tu te prends un karaoké précis, genre, ah ouais, de ouf. Genre un karaoké précis par hasard. Les rétros, ils sont à l'intérieur de la voiture. Trop bizarre. Pourquoi il y a un rétro à l'intérieur de la voiture? What? Attends, il n'y a pas de rétro extérieur? Maintenant que je... Ah oui, il n'y a pas de rétro extérieur en fait. User left your channel. C'est stylé. C'est clairement classe.
Genre sur un animé de musique. Ah ouais, par hasard. C'est... J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le combo orange, fluo et bleu, ça passe bien. Je la ressortirai qu'aux grandes occasions, mais... Allez. Hop. Allez, beauté. C'est beau. Voilà, donc du coup, on a notre farm de tous les streams jusqu'ici. Nous a servi pour cette voiture. Merci Karma pour le RT. Voilà, le but de tous ces streams, c'était cette voiture. Je suis très satisfait. Je suis très heureux. Je suis très heureux et puis tant mieux, j'ai pas pris d'amende. J'ai une nouvelle GoFast parce que l'ancienne a été achetée par un fiefé gredin la nuit dernière. Il y a un monsieur qui est venu et qui m'a dit je vous achète votre GoFast pour plus cher que son prix d'origine, et j'ai fait bah let's go. Et du coup je m'en suis racheté une nouvelle. Vu qu'au final j'avais les moyens, hein, étant donné qu'il m'a donné le prix de la GoFast en plus. Hein. Ouais, je pense que je suis content. Le but c'était pas de nous divertir, c'était d'acheter cette voiture. Bah le but du stream c'est qu'on parle ensemble, mais le but du farm c'était la voiture. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et je pense que l'objectif est clairement complété. Je trouve cette GoFast un peu plus maniable. C'est exactement la même qu'avant, mais je sens que la mienne commençait à vieillir un peu. Donc en acheter une nouvelle, ça lui a fait du bien. Ah, juste que je regarde. Parce que là, du coup, on va pouvoir repartir sur du farm. Hein, maintenant qu'on a une belle beauté. Il va nous en falloir une plus chère hein, maintenant. Hein. Il va falloir qu'on atteigne un autre niveau. Hein. Un niveau que j'aurais assez pour acheter la voiture, mais c'est tout. De base, je voulais en acheter une à 16 millions. Le mec, quand il a entendu le nom, il s'est dit « Waouh, le mec est riche, mais cette sensation, elle est incroyable. » Je vous assure, je me suis senti comme un roi. Je me suis senti comme un roi. C'était assez impressionnant. Le type il s'est dit 30 millions. Le mec il s'est dit je suis qu'un simple employé, un mec qui vient me payer 30 millions. J'ai rentabilisé leur entreprise pour la journée hein. Hop. Maintenant je sais que toute ma fortune, bah disons que j'ai blanchi ma fortune. Tu vois, j'avais de l'argent sale sur mon compte en banque, bah là je l'ai blanchi. Je l'ai blanchi sur une voiture. Je l'ai blanchi sur une belle voiture. C'est mon RP à moi. Tac. Donc du coup, il faut qu'on se décide. Il faut que je regarde nos stocks parce que du coup, j'étais complètement perturbé par l'achat d'un sport car. J'en ai perdu tous mes moyens et tous mes farms. J'en ai oublié toutes les routes. Le simple fait d'avoir mis 7-0 derrière le chèque, ça a suffi à me refroidir. Tac. Ça en valait la peine, je suis tellement refait. J'aime les porte-papillons. Du coup, 25 de phosphore, 52 de soude, j'en avais fait un transport. Faut que je vois si j'ai la place. J'ai largement la place pour aller refaire des trajets. En vrai, on peut partir se faire de la soude, je pense. Il s'est dit aussi, essayer de pas négocier. Ouais, mais honnêtement... Je veux dire, clairement, je suis pas venu à la sport car pour négocier le prix de la voiture, tu vois. Genre, je pense que, roleplay parlant, bah, quand tu vas acheter une voiture, t'as pas prévu de négocier avec la personne pour un prix plus bas. À la limite, pour l'occasion, je comprends, mais pour une voiture en elle-même, non. C'est-à-dire, ça sert à rien. C'est-à-dire, c'est pas RP. C'est-à-dire, moi, si un jour j'achète une voiture par moi-même, je vais pas... À la limite, je vais attendre une bonne affaire, mais je vais pas... contredire les prix. Hein. Donc du coup, on va passer du côté est. Tac. Tac. Maintenant que je sais qu'il faut que j'ai la place pour farm. On ouvre là.
prendre là. Oh, flûte. Voilà, ouvert, ouvert. Voilà, vous voyez le farm, ça sert à ça. Hein. 8 de mes 10 streamers recommandés font du Genshin. Oh, c'est normal, si t'es un joueur de Genshin, clairement, hein, Julien. Tu fais bien son boulot. De toute façon, y'a rien à voler dans mon hangar, j'ai tout écoulé, tous mes trucs sales, ils ont été dégagés. Dommage que notre reporter adoré soit parti, hein. J'aurais bien fait une interview. Mais bon. Pas grave. Il nous manquera. Il s'est éteint avec le cartel, je pense. Microphone muted. Hop, c'était là. J'aurais dû faire une course poursuite. Imagine, j'arrive. Julien qui va venir me faire un salut. Ouais, il y a encore du monde à la sport car. Oui. De toute façon, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours de la circulation à la sport car. Je m'inquiète pas qu'ils s'ennuient pas. Après, je leur ai refait leur journée. Hop, 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 pif, paf, pouf. Attends, ouais, let's go, on peut repartir. Il fait juste un truc sur l'hôtel, et voilà, c'est parti. Ça fait du bien, j'en avais marre d'avoir un compte en manque aussi grand sur moi, donc... De l'argent qui fait rien. Il a raconté une histoire qui s'est passée lundi entre un pote et un autre où ils sont là, ouais, sur Discord. Ouais, si tu veux, je viens. Tu l'envoies sur Discord pour plus de facilité ou t'as juste pas envie que je la dise en stream? Sinon, je la lirai après, hein, tranquille. Tac, je me demandais, y'a personne du groupe de connecter? Non, y'a personne du groupe. Hop, on descend. On va reprendre du fight normal, on va reprendre notre vie de citoyen Paris. Il se passe un truc bizarre à un moment. Ah ouais? Bah écoute, je serais heureux de lire ton histoire. Hop, on va monter par là. Là, clairement, je pèserai un peu plus quand j'irai faire des recrutements pour les armes. À la limite, je pourrais presque me balader pour attirer les braqueurs. Hein. User joined your channel. User left your channel. Hier, je suis contrôlé par des policiers qui ont sans doute vu un HMTT pour la première fois vu les réactions. C'est quoi ce camion? Qu'est-ce que c'est que ce camion? C'est quoi ce truc? Mais ouais, là, les policiers, ils ressemblent un peu à rien. Hein. Ils font un peu n'importe quoi. Sans vouloir les discréditer, hein, mais ils font un peu nimp. Par contre, ok, la roue qui devient rouge sur un grillage claqué, mais c'est pas grave. Hein. On kiffe réparer. Concessionnaire, c'est le modèle civil. Vous l'avez voulu, concessionnaire, c'est le modèle civil. Ah ouais, d'accord. Vous avez eu votre truc, là. User was kicked out of your channel. User joined your channel. Logiquement, une voiture, ça se braque pas en plus. Ils ont dit ça pour le LOL, mais je pense pas qu'une voiture, ça se braque. Faudra que je revérifie les infos. Je crois qu'une voiture, c'est pas volable. Enfin, c'est volable, mais c'est pas braquable. Tu vas me dire, sors de ta voiture, je te la prends. Ce serait trop simple, en fait. Je pense. Je dis je pense parce que je suis pas certain de ce que je dis, mais c'est pas marqué dans les règles que c'est autorisé de braquer, donc de braquer les voitures. Uniquement les ressources dedans. Prendre le véhicule, c'est uniquement si je coopère pas. User left your channel.
Clairement, si jamais il y a des mecs qui m'arrêtent dans ma voiture, t'inquiète pas que je fais oui, 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 pas de soucis. Je coopérerai à fond les ballons, hein, même s'ils m'insultent. Hein. Non, mais encore ? Mais sérieux ? J'ai rien dit, cette GoFast, elle a un problème de conception. Hein. Coucou Panza, comment ça va ? Vu ton smiley, ça a pas l'air d'aller. J'espère que je vais te changer les idées. Tac, du coup, l'anecdote de Julien. Tac, tac, tac. Alors... Il faut juste attendre que ça charge. Du coup, ça pose pas souci, Julien, que je la lise en stream. Donc, pourquoi mon Discord dit ça que tu lises pas? Ah, t'as misclick, ok. Du coup, je te laisse la raconter, je le dirai après. De toute façon, on va au même endroit que d'habitude. On connaît les bails. Tac, 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 on descend en bas. Hop. Mais ouais, je suis vraiment content d'avoir enfin vidé le compte en banque. On sait en avoir marre. Mais étant donné que je peux produire mes propres armes et tout ça, mon argent me sert uniquement à mes plaisirs, hein. Clairement. À la limite, l'achat de munitions rebelles. Mais bon, ça, étant donné que je suis pas un combattant... On fiche un petit peu hors du business. Y a rien de très très impressionnant. Donc du coup j'ai pas spécialement besoin d'une arme quelconque. Il faut que je change de véhicule. De toute manière les policiers, on a eu la preuve grâce au hangar qu'ils peuvent rien faire si jamais j'ai que les ressources non transformées. Ce qui est un avantage. Hein. Clairement, c'est les policiers la menace. Hein. Hop, on remballe et on prend le beau camion. Tac. Tac. Mercedes. Hop. Et on remonte. Déjà, tous les véhicules sont nickel chrome réparés. C'est bon. Ok, attends, je vais lire. Hop, bah attends, je vais attendre que le farm se lance. Histoire de vraiment pouvoir être efficace. Puis je te dirai comme en général, pendant le temps du farm, on a clairement le temps. Mon mic, il est muté. Histoire d'être certain que je raconte pas une histoire à un mec qui serait derrière moi. Franchement... Ça valait la peine de dépenser toute la mette. De toute façon, j'ai encore je sais pas combien de millions qui m'attendent à la maison. J'en ai dépensé... J'en ai déjà écoulé la plupart, mais de toute manière, ça va se remplir au fur et à mesure. Hein. De toute façon, 30 minutes de farm, on connaît. Hein. Sans problème, en une heure, je me fais un stock de 252 mètres, ce qui fait un petit... Un petit 3 500 hein, je pense, un truc comme ça. Ils ont que 10 farms de mètres, donc 10 jours de nouveau et on a rentabilisé les 30 millions et on recommence, hein. On repart pour un tour. Hein. On retourne à la sport car, on refait un achat de dingue et puis... Nickel. Ou alors on vise plus haut. On farm vraiment comme des fous et on vise vraiment plus haut. C'est possible aussi. Hein. Le problème c'est que des belles voitures, il n'y en a plus trop à partir d'un certain moment. Moi ça me plaît, elles me plaisent de moins en moins après. Genre j'aime quand la voiture elle a une belle forme et qu'elle a pas des arrondis chelous. Tac. Deux phosphores, toujours pas. Coucou Kano. À force de traîner avec Aki, ça y est tu bicraves imbécile. Wesh, tu viens d'où Kano là? Ton pseudo il me dit rien.
Oui, clairement, je suis une petite racaille, hein. C'est G1. C'est quoi ce pseudo G1 là? Oh! Non, mais attends, comment je peux reconnaître Giggs, moi? Comment ça va, BG? T'as manqué l'achat du siècle, hein? J'ai acheté une. Je suis en Soum Soum, j'ai toujours eu ce pseudo sur Twitter. Eh ben, je le savais pas. Merci Zep pour le RT. Je ne le savais pas, je ne le savais pas. J'ai vu ta trottinette. Ouais, ma trottinette en or massif là. Alors du coup, je te stalkais déjà. Ah non, mais une dinguerie cette voiture, elle me vend du rêve. Du coup, en gros, deux potes, on les a eu une fois qu'on est en vacances, puis après on les a pu des vacances, on dit un pote, deux potes, attends. En gros, pote 2, on l'a eu une fois en vogue pendant les vacances, et après on l'a plus vu des vacances. On a dit pote 1 et pote 2 sont dans le même collège, et pote 1 cherche pote 2, pote 2 dans la classe, ils sont pas dans la même classe. D'abord, pote 1 entend pote 2, du coup il le cherche et voit derrière lui en train de faire un... What? Un téline allemand, c'est pote 2 qui fait ça, après pote 2 a déjà voté, c'est dit mais trop bien. Mon frère c'est l'affaire au piano, et tout, voilà, fin. Mais what? User joined your channel. C'est devenu un un fervent admirateur de fervent admirateur des dictateurs en une vacance à l'aide. Mais du coup, comment tu vas, G1? Par contre, oh non, on était à 35, du coup le farm il va s'être arrêté. Non, c'est bon, oh nice. J'ai eu de la chance. C'était l'histoire de pote 2, d'accord, ok. Ouais, j'ai compris ça, j'ai compris tout le principe, mais t'as eu la raison pour laquelle il vous a pas contacté en vogue plus que ça? Il était trop occupé à à faire des saluts bizarres genre à l'aide. Ça va, et vous? Eh bah écoute, je pète la forme. Je crois que la plupart des gens pètent la forme, sauf Panza qui n'a pas répondu à pourquoi est-ce qu'il allait pas bien. Je suis occupé à côté, j'ai un délai de chat. Ah! Il est toujours pas revenu. Bah, rip Panza. Ses derniers mots auront été un smiley pensif. On se souviendra toujours de Panza. Comme quelqu'un ne reculant jamais pour des pattes. Hop, allez, on remplit notre verre de coca. Par contre, je crois pas que j'ai de kebab, j'ai que des Red Bull. Du coup, bah, je vais bientôt tomber à court de nourriture et je suis à 29%, ce qui n'est pas bon du tout. Plus que 712 points, Julien qui fait le décompte. User joined your channel. Qui fait son décompte, je pense qu'avec des bonus de points, tu vas vite y arriver, hein, Julien. Ah, mais t'es certain que prochain stream tu l'auras? Ou alors t'as peur, hein? J'ai pas peur, mais déjà que je me sens pas à l'aise avec des animés dont j'ai entendu l'opening, si jamais c'est des animés que je connais pas. Disons que je vais pas me vanter de mon niveau de japonais, quoi. Hein. Mais bon, après, voilà, hein, je vais faire de mon mieux, hein. C'est ta redeem, c'est ton choix. Hein. Juste t'inquiète, ok. Ok. Hop, full rempli de phosphore là. Yeah. Je me demande dans quel genre de situation je pourrais sortir la voiture. Parce qu'on a vu qu'elle tourne, elle n'était pas extrêmement maniable. Je ferai une collection de voitures. Je vais les acheter toutes dans l'ordre de prix, je pense. Le but abusé. Ouais. Mais en vrai, les prix sont pas exponentiels, donc il y a beaucoup de voitures qui coûtent pas extrêmement cher. Après, si vous toutes les assurez, bon, relou quoi. Mais bon. User left your channel. User joined your channel. Tac, on remplit de nouveau.
User joined your channel. Tic, 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 tic. T'inquiète au premier et second degré. Ah, yes. C'est rassurant ça. T'as un don pour me rassurer là d'un seul coup. Je me sens vraiment recalmé. Surtout que le décompte s'approche très vite de la fin et je sais qu'avec le bonus de points du prochain stream, tu vas directement avoir assez pour la redeem. 640 points. Ah, ça descend vite hein, quand même. Hein. Je me permettrai de le faire en fin de stream. Hein. Évidemment. Je peux m'arrêter au milieu de la session de farm pour aller faire une chanson. Alors qu'on garde cette habitude-là. T'as rien, zéro Wagner qui vient de me voir hein, quand je suis en train de farmer du phosphore. C'est quand même compliqué. Je sais pas si je suis un miraculé ou si juste il traîne plus, mais c'est quand même bizarre. Hein. Allez hop. Allez hop, 49 et 50. Ouais, comme la Sparker est ouverte, la police elle va traîner. Je prends des risques. Hein. Je prends des risques. Mais bon. C'est pas grave, on vit avec des risques. Hein. C'est pas dit qu'on va farmer ça toute la. Qu'on va farmer ça toute la soirée si jamais Matt se ramène. Si jamais Matt se ramène, let's go. Let's go passer sur Satisfactory. Mais le problème, c'est qu'il est occupé, je crois, aujourd'hui. Du coup, c'est pas dit. Tu deviens accro. À quoi tu deviens accro, Julien? Ouais, entre la Golden et la Sparker, ça m'arrange pas, ça. Hein. Je suis sur le trajet de deux entreprises, quoi. Les points. Besoin de ta perfusion de points. Tac tac tac. Aujourd'hui, c'est les nouvelles sorties d'animé. Je suis hypé. Remonté comme un coucou. Je sais pas s'il y en a déjà qui sont sortis, mais attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir, ça va me m'illuminer. C'est quoi ça, wesh? Dégage-moi ça. Tac 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 tac. Voilà ma vanime. Alors, qu'est-ce que ça dit? Non, il y a toujours rien de nouveau. Eh ben, je suis un petit peu déçu. Remonter comme un coucou. Allez, c'est bon. Toujours rien de sorti. Bizarre, on n'est pas le 5? Si, on est le 5. Ça fait trop longtemps, j'attends depuis la dimension Sonic sur MC. Ah ouais, c'est vrai que ça date. Hein. Ça fait longtemps que t'économises. Hein. Du coup, ouais, on connaît le chemin. On est de nouveau la tête sur les épaules. On reprend la route comme le farmer le moins riche du monde. Qui n'a pas investi des sommes faramineuses dans des engins plus impressionnants les uns que les autres. J'espère que je serai à la hauteur de ton farming de points, hein, Julien. Je ferai de mon mieux. User joined your channel. Allez, let's go. User joined your channel. Je veux pas me unfollow slash follow pour 300 points gratuits. Non, je pense pas que ça marchera, Julien. User left your channel. Ça m'étonnerait que Twitch ait laissé une feature comme ça, c'est possible. T'imagines les tryharders de points, comment ils y montraient. Ça passerait jamais, ce serait direct spotted en plus. Pas gentil Twitch, eh oui. À la limite, je serais quelqu'un de très gentil, je ferais des paris sur les points sur certains trucs, genre quand je joue à Apex ou quoi, mais... Mais j'ai la flemme et j'ai pas le temps de quand je suis en stream. Clairement, le problème c'est que déjà, je trouve que l'accumulation de points
est déjà pas mal, tu vois. À la limite, bon, le karaoké précis, c'est vraiment exceptionnel parce que ça peut tomber vraiment sur n'importe quoi, tu vois. C'est vraiment les envies de la personne. Mais les karaokés aléatoires, 5000 points, ben en vrai, on a un bon rythme de karaoké. Hein. Il y en a vraiment pas mal, hein, qui circulent. Je pense par mois, on doit bien faire 5-6 karaokés et moi, ça me suffit. Hein. Mentalement, c'est ma limite. Hein. Même si j'aime bien chanter. Hop, on prend la bosse. Nickel. Hop, 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 hop. Le chemin de montagne. On se retrouve direct à Pyrgos. On prend le pont. Le petit conteneur. Et on est prêt à repartir. 628 points, ça va. En vrai, ça descend vite. Ça descend vite, mais par contre, fais gaffe, hein, Julien. Au fixé, jamais debout. Hein. Les points, ils vont monter moins vite si jamais tu continues de les fixer. Hein. C'est déjà prouvé. Hein. Allez, hop. Par la pompa. Le camion. Ah ouais, je peux comprendre, depuis le temps que t'attends, c'est normal de faire le décompte. Tac tac. On descend de ce côté-là. Hop. Hop, 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 on passe à côté de la maison, on évite. Je suis content, c'était quand même un stream assez imprévu. Je me doutais bien que la sport car allait ouvrir aujourd'hui, mais j'aurais pas pensé que je devrais me dépêcher comme ça à ce point. Mais du coup, c'est pas grave. Hein. Écoutez, c'est le stream bonus de la semaine. Hein. On est là. Hein. On est là, on est là, on va... Je vais encore vous accompagner pour une après-midi. Hein. Hop. Allez, pitié, faites qu'on se fasse pas arrêter sur la route. J'étais à la première minute du live. Bah ouais, clairement, tu t'es ramené direct. Hein. Faut dire que j'ai gueulé de ouf dans le Discord qu'elle était ouverte. C'était pas compliqué à deviner que j'allais lancer. En plus, je l'avais prévu. Je l'avais call. Voilà, on connaît le chemin. Tac, tac, tac. On tourne par là. Et nickel. Ouais, le territoire Wagner, franchement, il est devenu chill. Hein. C'est terrible. Hein. Ou alors, c'est peut-être juste le phosphore qui les intéresse pas. Je sais pas, peut-être. Hein. Après, moi, ça m'arrange. Hein. Ce qui les intéresse pas m'intéresse. Hein. Bon, on s'entendra bien hein, si jamais ça se passe comme ça. Hein. Bah alors, j'ai pas assez dépensé pour eux qui refont une annonce. J'ai pas assez dépensé pour eux, je pense. Ah... Left your channel. Ça, vas-y, je vais aller les voir, je vais leur dire que la voiture elle est nickel. T'es sur un ponton. J'ai rien, commence pas. Commence pas. Commence pas, après y'a Lynn qui va. C'était monsieur jeune mot. Commence pas, Lynn. Tu vas lancer Lynn sur les jeunes mots. Hein. Tu sais pas ce que t'as créé. Hein. Tu sais pas ce que tu viens de créer là. Tu viens de lancer quelque chose là, géant. User left your channel. Lynn est parti, bah écoute, c'est pas impossible, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux pour le jeu de mots.
Ça a évité de démarrer quelque chose de trop beau, de trop. Mais je fais pas genre roulin. Si vous voulez me dire, je passe en mode accueil dans deux heures, il y a embrouille. Tu sais, je vais recevoir un MP Discord bien voc où je te démonte. 3 grammes d'alcool dans le sang. User joined your channel. Vas-y, attends, j'y vais. User joined your channel. Microphone activated. C'est pas roleplay tout ça, mais si. Mais si c'est roleplay. Bien sûr que si. Rebonjour. Je viens vous faire part de mes impressions sur la voiture, elle est formidable. Ah ouais. Ah franchement, vous m'avez pas menti hein, clairement, c'est de la bonne qualité. Ah bah sur l'aéroport, je me suis fait un peu enguirlander par les policiers mais oui. Mais franchement vous la faire saisir, hein, parce que... Oh non, ils sont très compréhensifs hein. Ça va, parce que... Ah, j'ai l'impression qu'un individu en Bermuda va venir vous chercher une voiture, j'ai l'impression. Pas depuis tout à l'heure, j'attends de toute façon. Bah, écoutez, j'ai dit que j'allais passer en passant à côté. Hein. Ah, c'est gentil en tout cas, merci. Bon, allez, je vous laisse. Allez. À vos retours, une bonne journée. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Je cherche Bobby. Bobby. Microphone muted. What the fuck? Imagine un MP Discord via Vogue pour me rendre mon chocolat à l'aide. Attends, il est tombé sur un cas là. Vas-y, je me suis barré là, ça avait l'air d'être une dinguerie là. Bah voilà, une bonne chose de faite. Oh bah ouais, le pauvre, j'allais pas le laisser alors qu'il attendait hein. Tac. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil. Hop. Marché, kebab, tac. Et on en reprend un. Voilà, nickel Chrome. Et on en rachète un histoire d'être tranquille. Je cherche Bobby. Mais ouais, il avait l'air très 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 motivé à chercher Bobby. Un peu ça, le Bermuda, c'est la tenue de base en fait. C'est la tenue quand t'as pas acheté de tenue. Ah, je reconnais cette voiture. Oh, elle est bien belle. Hein. Jolie couleur, hein. Vous avez fait un bon choix. Merci. Microphone muted. C'est la même quota, c'est la même quotari. Non, ça, enfin, ouais, alors qu'il mange que de la malbouffe. Ah mais ça c'est la magie d'Altis. Non quoique c'est assez accurate hein, comparé à la réalité. Hein. Je suis dans le même cas. Hein. Je pourrais manger de la malbouffe tous les jours que ça changerait rien du tout. Hein. Mince, je me suis enfermé dans le véhicule. Tac. Tac tac. Tac. Hop. J'ai bien verrouillé, hein. C'est un d'accord. Ouais, il est verrouillé. Faut qu'il y ait personne qui s'enfuit avec mon véhicule. Hein. Je vous jure, ça peut arriver. Hein. La malbouffe peut être sans gluten et sans gras. T'as cause toute la journée. Non, pas déconner non plus. Microphone activated. Microphone muted. C'est pour être sûr. On sait jamais. Jamais trop prudent. Tac, attendez. Du coup, c'est tac 36. On dépose. J'ai oublié de faire ce que je devais faire. Tac, tac, tac. Tac, donc du coup, attends. 36, on fait CTRL-C. Voilà, là, on s'y connaît. Hop, on remplit.
notre petit stockage ici. Voilà. Oups. Misclick. Hop. Hop, 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 je suis coincé. De toute façon, je suis safe de la police. En vrai, je me sens un peu plus safe maintenant. Je suis en train de penser, mais du coup, tu as pas lu la fin de l'histoire à haute. Non, bah non. Alors, Julien. Non, quand ça, quand ça commence à parler de salut étrange et... Et voilà, quoi. Je sais pas pourquoi... Je comprends pourquoi est-ce que tous les jeunes dans une période de... dans une certaine période ils ont une fascination pour ça, genre au secours c'est glauque en fait, genre je sais pas. Alors c'est quoi le but, genre je sais pas, je comprends pas, c'est pas une bonne période, tu vois, genre je sais pas, c'est le plaisir d'être anticonformiste. Il manque 70 kilos pour pouvoir défier Jérôme Le Banner. T'inquiète, j'ai un. Quelques McDo et t'es bon, hein. Tu sais, il faut... J'entends des bruits qui ne me plaisent pas. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-la-la. Hop. De toute manière, même s'il me volait, il pourrait rien faire. Après, il faut le budget pour le McDo aussi. Ça, c'est pas forcément... c'est peut-être plus le problème, là. Hop. Putain, y'en a des camions qui passent. Ne t'inquiète, canoë. 544, ça va, ça descend. 34, tac. On va aller ranger notre beau véhicule. Notre beau camion. Hop. Voilà. J'ai tellement vidé les stocks hier soir que au final là on est. Je vous assure, on est tranquille pour. On pourra remplir la maison pendant encore 3 jours. Hein. Hop, et on va ranger le camion. Allez, tout droit. Hop, on connaît la direction par cœur. Ils sont déjà partis. Eh ben. Ah non. Tac, tac. C'est un sacré phare celle-là. Tac, et hop, range repair, tac. Et pas du tout pété, non, non, non. Comme gomme bazooka. Hop, du coup, là cette fois-ci, on prend la direction du nord-est. En passant par la douane via la route RP qui longe l'aéroport. Voilà, on connaît les bails. C'est la deuxième route qu'on prend. On la connaît bien aussi. Il commence à faire son. On va mettre. Ah ! Les thermiques. Enfin, les nocturnes plutôt. T'as vraiment prévu de me faire chanter du One Piece, Julien, là ? À la limite, le premier opening, je pense que j'ai moyen de te le faire. Hein. Sans... Genre, en vrai, les paroles sortiennent bien. Hein. C'est l'avantage de cet opening là aussi. Je veux dire, il est culte, je pense que même quelqu'un qui regarde pas des animés pourrait le chanter. Si je désinstallais Genshin pour faire la mèche de Genshin. C'est quoi cette strat douteuse là? T'es sûr que tu vas réussir? T'es sûr que ça va vraiment te permettre de faire la mage?
Tu sais, tu peux jouer qu'à la mage. Il te manque tout le reste, tu vois pas les personnages, mais tu vois la map. Source, t'inquiète, frère. Ça, la police n'est pas derrière. Hop. Hop hop hop. 532. Oh là là, il s'approche. Il s'approche. La réussite à portée de doigt. Hop, on tourne. Tac 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 tac. On rebondit pas parce qu'on est des pro-conducteurs. Ouais, bah tu leur diras, hein, G1. Tu en rediras toi-même. Hein. Je dois vous laisser. Bonne fin de stream. Enfin, merci Luna d'être passé. Passe une bonne fin de journée. Et bon courage à toi. J'irai lire ton tweet après mon stream. Tac. Bon, de toute manière, on doit juste suivre la route RP normale. Je les route. Mais oui, non, mais. Et toi, Jean, tu les connais un peu trop bien, les flics. Et pas ceux d'Altis. Hein. Allez hop. On passe dans la ville à 190 km/h. L'air d'être la meilleure chose à faire. Une GMC qui sort de nulle part. Transformation Doyle. Ah oui, là c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué, hein, niveau budget, c'était obligé d'aller transformer de la oil. Ça doit être un bon nouveau. Hein. Là du coup, faut qu'on parte tout droit sur le chemin de terre pour éviter le virage de la mort. Hop, nickel. J'ai un drama en cours sur YouTube, c'est un ancien chef de la BAC. Il veut pas répondre à mon clash, chef. On lui dit que c'est à l'aide. Non mais t'as cru, je me mets pas dans tes délires, dans tes histoires cheloues là. Je vais pas me mettre dans la sauce, t'es ouf. Attends, déjà que je respecte pas la police sur Alti, j'ai pas envie que quelqu'un de la BAC vienne me voir. Hein. À l'aide. Bon copain, tu me mets dans la sauce là. Les gens normalement ils créent des dramas avec des youtubeurs, hein, pas avec les flics. Hein. J'ai un qui est dans l'abus. C'est pas à moi, c'est à Valencia. Non, c'est pas mes affaires ça, hein. Franchement. Demandez à Otari. Tu sais, il change de sujet d'un seul coup. Et si on parlait de la culture de champignons à domicile? Allez hop. Reçois un coup. C'est pas un roleplay. Et dis donc, dans le jeu, je paye qu'une amende, hein. Normalement, je prends pas 30 ans, hein. Eh oh, eh. Eh oh. Pas cool, ça, hein. Pas très sympa, les flics de style, hein. Pas cool, hein. Normalement, on restait aux cellules que 5 minutes, hein. Oh. Hop, on roule à fond les ballons, hein. Y a plus de limite là. Inarrêtable. Hein. C'est pas roleplay. T'appelles les admins du monde réel. Tu fais un ticket dans la réalité. Hein. Tu sais, t'ouvres le menu et tu peux ouvrir un ticket. C'est la sortie de la ville normalement. Monsieur Macron.
Passez-moi le président. C'est la seule fois dans ta vie où tu pourrais dire passez-moi le président. Du coup, on est bel et bien au bon endroit. Oui, on est au bon endroit, j'ai même pas besoin de regarder. Nous sommes des professionnels de l'orientation. Tac. On ressort notre Mercedes. Tac. Au cœur de la légion, où est l'IGPN? Il y a un qui connaît les démarches, hein. Beaucoup trop renseigné pour une simple vanne. $520, allez, tu t'en approches, Julien. De toute façon, ils te diront d'aller te faire voir. C'est pas impossible. À moins que tu sois un petit garçon. Ça, par contre, c'est peut-être pardonnable. Oh, nice. Je vois des openings qui pop sur mon YouTube. Ça, c'est les nouveaux openings. Regarde de sortie. Allez, hop. Allez, tout droit. Merci Mia pour le RT, excuse-moi, j'avais pas vu. Orient. Orient, un nouvel animé. C'est quoi, c'est Radiant, ils aiment bien les noms en an. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est le même style de dessin. C'est quoi ce copier-coller là? Jamais eu Jade Event. Oh, nice, Julien. On sait bien de les avoir soutenus. Oh, malheureusement, j'ai pas pu les regarder, j'étais pas dispo pendant le week-end. Dommage. Non, je pense que c'est vraiment fun. Hein. Pour le coup. C'est vraiment grave fun. Tac, on tourne. Sur notre chemin de terre habituel. Ah. Il y a un rat qui a donné 0,01 centime. Je crois que j'ai vu le clip de ça. Je crois que j'ai vu une équipe qui donne 1 centime. C'était drôle. User left your channel. User left your channel. Allez hop. En espérant que cette fois-ci on n'est pas de soucis à la soude. Ça m'étonnerait si on croise pas de Scorpius sur la route pour nous tirer dessus. Normalement on risque rien. Si ça nous tire pas dessus, ça veut dire qu'on a le droit, hein, logiquement. GG1 approuvera. Si on ne se fait pas tirer dessus, c'est qu'on a le droit de le faire. Logiquement, voilà. En toute logique, normalement, c'est bon. Il y a très peu de farmers hein, cet après-midi. Je m'attendais à croiser des gens au moins à la soude, mais non. Si ça tire, tu cours. Je t'imagine bien t'en fuir en courant, genre. Je t'imagine bien dans le sens vraiment, j'arrive pas à devoir t'enfuir. Fais pas le héros, t'as pas qui t'attend à la maison. C'est vrai. Pour Matt, je dois rester en vie. Oh, raté Mia. Comment ça, tu connais pas ta commande Mia? Voilà, capitaine. Cette information n'est pas vérifiée, G1. Tu n'as pas de preuve. User joined your channel. Ah, je demande des preuves visuelles, des vidéos. Peut-être. Il était enceinte. Salut Joran, comment ça va? Johan, on va dire Johan, je suppose que ça doit se dire comme ça. Soyons logiques. Prends conscience. Mais ça va nickel, et toi? Comment vas-tu? Aujourd'hui, j'ai fait mon achat à la sport car j'ai plus d'argent.
Non, Johan, il va dire, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai pas envie de me tromper. J'ai déjà rencontré des Johan avec des J, hein. On n'est pas en Israël, non mais à l'aide. J'en ai déjà rencontré, j'ai un. Un peu d'ouverture d'esprit, ok? Et des cul... User joined your channel. Mais en fait, c'est Camille. C'est russe. Camille. Camille. Mes parents adoraient la France. Camille. Allez hop. Le rempli s'achève. Ça serait une sacrée coïncidence quand même. On te dit qui la kamikaze. Non mais toi Julien, t'es matrixé par Genshin. T'es matrixé par Genshin. C'est Johan et tout le monde m'appelle Johan. Ok, du coup ça m'arrange pas. Ouais, du coup on va rester sur Johan, on va t'appeler par ton vrai nom, on n'est pas des. On n'est pas des brutes. Cano l'a préchoté. User joined your channel. Allez hop. Tac 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 tac. Hop. Ça me dérange pas. Bon bah écoute, ce qui te plaît le plus, ce qui te plaît le plus en vrai. Ça me dérange pas. Bon bah écoute. Écoute, tant mieux. Peut-être que des fois ce sera l'un, des fois ce sera l'autre. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire parce que comme j'ai une mémoire de moineau, j'ai sans doute oublié. On aura peut-être encore une fois ce débat sur la prononciation de ton pseudo. Et je m'en excuse d'avance. Je vais faire de mon mieux pour m'en rappeler, évidemment. Évidemment. Ok, je vais t'appeler Paul. La mort de l'effort. Appelez ce numéro pour un free sub chez Ali. Mettez votre compte bancaire sur 3W. Pas une arnaque. Pour obtenir des cadeaux formidables du merch d'Ali. Site officiel. Guillemets, guillemets. User left your channel. Oh non, j'ai un. Oh non. User joined your channel. C'est pas grave, je me balade qu'en camion. Je me balade qu'en camion, donc pour l'instant, je suis pas trop. Le problème, c'est que ce mot-là, il peut tellement pop partout dans chaque phrase. C'est un enfer. T'as choisi le pire mot. Je vais chipser sur G1. Ça passera pas. Ah, oh, mais t'as choisi un bon mot là, ça va me poser souci, ça. Ça va me poser souci. Allez hop. Ah. Finalement, c'est un cycle perpétuel. On farme, on achète un beau véhicule. Un beau véhicule à 4 euros qui n'est pas un camion. J'aurais dû mettre phosphore ou farm, tiens, j'avoue que je l'aurais mal vécu. Non, ton mot est bien, en plus ça je peux le lire dans une phrase. Imagine, il pourrait même pas dire le mot en plein RP, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. À toute Yon. Mettez votre compte bancaire sur 3W. T'inquiète frère, frère. Les vrais strats. Les vrais strats, on envoie des mails aux gens comme ça là. Vous avez gagné un voyage en Bosnie.
Veuillez mettre votre adresse sur ce site et vos coordonnées. Pas coordonnées, hein, coordonnées bancaires évidemment. Hein. Soyons logiques. En refaisant ma carte vitale, je fais faire épingler des ouf, ça demandait la carte bancaire, je me suis dit, attends, je suis sur quel site? Attends, t'as failli... c'était vraiment un faux site? Ou pas? Ta carte vitale perdue, la première annonce, c'était une annonce, je crois, j'ai fait le con, le site l'a aimé profond, mais c'est ouf. Mais ne s'est abusé. Bah heureusement que t'as repéré, hein. Heureusement que t'as repéré. Non mais à l'aide, le truc de carte vitale qui demande la carte bancaire. L'abus du truc. Bah je sais pas, mais j'ai fait la voie normale, y a pas de paiement, c'est bah oui normalement oui. Ouais logique. Mais what the fuck. Coucou Ota. Comment ça va? Faudra que je te montre, j'ai une nouvelle petite voiture hein. Elle est toute belle. Elle est toute belle. Je me suis dit pourquoi ils veulent mes ronds là, attends MDR. Bah la forme est toi, et bah écoute G1 nous fait le plaisir d'être avec nous ici. Je ne savais pas que c'était son pseudo sur Twitch, c'était Kanota. Voilà, je l'ai appris. Cette information-là qui est passée à la sport car exactement. Exactement, et je sais pas si t'étais là quand j'ai vendu mes armes, mais ça aussi c'est parti. Hein. J'ai vendu à mes amis les ninjas adorés et maintenant je suis blanc comme neige. Mais oui, franchement, je suis pas déçu de mon petit achat. Oh, j'ai pas vu ça. Eh ben, écoute, je vais devoir faire des clips. Hein. Tu t'es fait combien sur la vente de la plupart de mes armes, je me suis fait 3 500 000. Parce que je voulais écouler le stock et que les flics sont allés dans mon hangar. Les flics sont allés dans mon hangar, donc du coup, j'ai dû speeder pour vendre le plus vite possible. J'ai été tag deux fois sur un concours, sur un site, ça disait une fois t'as gagné un aspirateur et deux fois ça disait t'as gagné un iPhone 13. Au secours, t'as dit le mot, c'est pas impossible. C'est vrai, tu as raison, Julien. En attendant que la coûte se fasse, je fais mes pompes. Ah, c'est combien? C'est 10 par mot? Ouais, c'est 10 par mot. Allez, aïe! Ouf, ouïe, ouïe, ouïe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va, c'est pas non plus énorme quand c'est que 10. Par contre, le fil s'est emmêlé sur ma tête. Ouah. Attends, avril, mai, ce sera sur YouTube. En anglais, je me suis dit, ah, c'est Noël. Attends, what? Pourquoi j'ai... Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, je pense qu'on est bon, on a tout ce qu'il nous faut. Tac, 36. Hop. Hop, 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 hop. Mais du coup, ouais, let's go. Let's go, nouvelle voiture, tout mon farm est parti dedans. C'était une voiture à 30 millions, hein, Ota. Hein. C'était une voiture à 30 millions, hein. Je tiens à te le dire avant que tu fasses un AVC. J'ai un peu craqué. C'est pas un chiffre, si je dois faire 10 pompes, je me suis enflammé. Non, t'es fou toi, je vais pas me faire tabasser. Ça fait 1h37 que je suis là. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu racontes, Zéon? À l'aide. T'as dit 3 fois? Ah oh non, je l'ai dit 2 fois de plus? Non, je jure, c'est vrai. Peggy 30. Vas-y, je fais les 20 dernières, j'ai compris. Attends, je ferme mon véhicule quand même. Ce serait bête qu'il y ait quelqu'un. Hop. Re, Johan. Ah. Aïe, oui, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Et du coup, c'est combien? 22 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pouf!
sportif. Hein. Aïe aïe aïe. Trois fois de plus. Non. J'ai encore redit, non mais à l'aide quoi. Genre j'arrive pas, les mots interdits, j'y arrive pas. On disait quoi MDR? Arrêtez avec cette formulation G, hein. Bon bah écoute, vraiment que je me concentre sur les mots interdits parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Hein. Disons que déjà que le farming c'est un peu compliqué, si en plus de ça je dois m'arrêter toutes les 5 secondes, oh, j'ai la tête dans la poubelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Si tu veux compléter ta vanne, G1, sache que je fais mes pompes sous le bureau. Ah. Aïe, aïe, aïe. Tu vas te casser les bras, ouais, non, mais t'inquiète, j'en fais jamais énormément. Je suis sûr, j'en aligne pas 20 là. Après, je pense pas que je fasse des très bonnes pompes. En fait, comme j'ai pas la place, je peux pas vraiment les faire bien, en fait, c'est ça qui m'énerve. Ouais, je les fais quand même, hein, mes bras le sentent, hein, vous inquiétez pas, hein, mais. Désolé, mais c'est le mot, c'est vrai. Non, mais t'inquiète, Julien, t'as raison. Puis, je fais confiance, hein, si jamais vous dites que je l'ai dit, c'est que je l'ai dit, hein. T'inquiète bébé, tu fais ça bien. Ah merci G1. Allez, le jour se lève. J'ai du karaoké comme ça, on pourra entendre ta belle voix. Merci. Merci Simon. Je sens que c'était uniquement animé par. Ce message était uniquement animé par la bienveillance. Et ça, c'est cool. Je vois Farming Simulator 22. Ah bah là, clairement, c'est le farming, pas à la ferme. Hein. Mets pas les dents sur le carrelage quand tu pompes et tout. T'inquiète. C'est un savoir-faire. Le clin d'œil. Le clin d'œil ultra louche. Putain, lui, sa maison est discrète. Hein. Putain. La maison, elle est grave discrète. Hein. C'est ma mère qui m'a tout appris. Ah, c'était une sportive. C'était une sportive G1. D'accord, ok, je vois. Évidemment, la bienveillance. Encore 50 fois. Non, je l'ai pas dit là, si. Une grande athlète. Attends, mais faudra me mettre la phrase, hein, parce que j'avoue que si jamais j'arrive même pas à marquer quand est-ce que je dis le mot interdit. Non, t'inquiète. Ah! Ah, tu m'as bait, je me suis dit, ça y est, là, je deviens complètement fou, là. Je commence à dire des choses que je dis pas, que je pense pas. Allez, hop. C'était une blague, ok. Ouf, je ne suis pas fou. Non, du coup les dealers ils ont bougé. À quelle heure ils ont bougé? Ils ont bougé à 16h53. Comment c'est possible? Pourquoi à 16h53? Je comprends pas les horaires de déplacement. Je trouve ta voix elle est un peu chelou. Ah. Ça aussi, je sens que c'était animé uniquement par des intentions de parler de ma voix. Hein. Vraiment. C'est marrant, il n'y a pas beaucoup de véhicules sur la route. Bah, je suis bien d'accord. Hein. Je suis bien d'accord et ça m'arrange bien pour le coup. Ça évite les soucis. Hein. Montre-nous tes pare-chocs.
You have joined your channel. Je comprends bien que la seule chose que t'attends, c'est que je fasse des pompes, hein, mais si je dis pas le mot interdit, rien du tout, il se passera rien. Si vous réveillez des... User joined your channel. Imagine, il y a une voiture de flic qui vient pas de ce côté-là de l'île, mais de l'autre côté, oui. Mais ils pourront rien faire contre moi, normalement. Normalement, ils pourront rien faire. 350 de nickel. Ça fait quoi si je te mets un karaoké? Ça dépend lequel, Johan. Si c'est aléatoire, c'est un opening parmi ma liste d'animés. Et si c'est imprécis, c'est je chante ce que tu veux tant que c'est pas trop compliqué, pas trop vulgaire ou un truc comme ça, tu vois. Genre, je veux te chanter une chanson de ton choix, mais tant que c'est safe. La Porsche, quelle truie. C'est vrai que les Porsche, bon... soyons honnêtes, c'est surfait. Je peux te suivre tranquillou jusqu'au dealer. Ouais, non, mais ça... Ah, c'est ça le problème, c'est que si aussi je mets l'image, il faut pas non plus qu'il y ait un clip trop zarbos. T'as bien... J'ai eu, c'est pour ça que j'avais eu un peu de stress pour Skibidi, tu vois. Quand Matt m'avait fait chanter Skibidi, je me suis dit, oulala, bordel, qu'est-ce que. Étant donné que c'est des cinglés de Russes, ils peuvent avoir mis n'importe quoi dans leur clip. Par les Kemta et les Bani, il y a les motos. Il y a les motos. Je suis bien en craquage. User left your channel. À l'aide, j'ai un en roue libre. La Bluebird, ah bah ça c'est. C'est uniquement. Uniquement quand t'es dans un bad mood, Samia. C'est la solution que quand t'es dans un bad mood. User left your channel. Allie le mot avec ma phrase. Attends. Ah oui, j'avoue, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. Ok, je l'ai dit. J'approuve, je me suis sans doute fait avoir. Tu fais le boomer dans ton camion. Sors ta nouvelle acquisition. Ouais, non, mais. Carrément, depuis le premier jeu de mots, je cherchais. C'est vraiment brainstorming là sur un tableau blanc. Je suis toujours en bad mood, ouais, non, mais. Faut que ce soit le vrai bad mood, Mia. Je veux pas proposer ce genre de service tout le temps, tu comprends. C'est uniquement exceptionnel. Quand ma présence peut éclairer une journée, tu vois. Mais si tu veux, je sors ma grosse cylindrée hein, après, hein. T'inquiète pas. Il m'oublie d'en faire assez. Il est passé un peu proche, heureusement que je roulais à droite. Oui, Mia, oui. Pleure. Le stream, je crée le lion nazi, pleure. La cruauté. Pas beaucoup de soleil et éclaire notre journée STP, mais avec plaisir. Avec plaisir. User joined your channel. User left your channel. Avec ma magnifique nouvelle voiture, je vais éclairer la journée. Hop. Hop. On va aller sortir la belle voiture. Je viens de redire encore. Oh, vas-y, je suis vraiment... Ah là là. Merci, Géant, pour ton mot interdit. Vraiment, tu m'as...
Tu as vraiment, ah, tu m'arranges vraiment mon stream, hein. Vraiment c'est cool, hein. C'est vraiment cool, hein. Ouais, poète poète, tiens. Tiens. Et voilà tes poète poète. On va les ressortir, on va aller faire un petit tour avec. Attendez qu'on a fini notre farm. Je me fais avoir à chaque fois. Pourquoi vous sortez toujours les pires mots interdits? Vraiment, ça m'arrange absolument pas, quoi. C'est une intelligence machiavélique, en fait, hein. Dès que ça parle de malveillance, d'un seul coup, ça sort des dingueries, hein. Ça... Le cerveau, il tourne à mille à l'heure, hein. Les neurones, ils s'activent tous, hein. Un tour avec quoi? Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez, les moqueries sont interdites. Laissez-moi en paix. Je vais les faire vos pompes, j'ai compris, hein. Putain, allez, j'ai vraiment spammé trois fois le mot, quoi. Genre, je fais aucun effort. Je le fais même pas exprès, quoi. C'est pour ton bien qu'on fait ça, avec un vroom vroom. Bien vu, Jimmy. Avec ma vroom vroom. Ma belle vroom vroom. Je vais aller voir les gens, je vais leur dire, regardez ma vroom vroom. Regardez ma vroom vroom, comment elle est belle. Vous êtes jaloux de ma vroom vroom, hein. Je sais. Je sais bien que vous êtes jaloux de ma vroom vroom. Peut-être qu'un jour, vous aurez des vroom vroom comme ça. C'est une question de temps, hein. Il faut pas avoir peur de dépenser pour une belle vroom vroom. C'est bon, Chibi m'a sauvé, je vais prendre l'habitude de le dire comme ça. C'est bon, je suis safe maintenant. Merci Chibi. Viens, t'as une salade avec et continue avec Risson pour Hérisson. Oh non, à l'aide. Julien, commence pas à donner des idées comme ça, hein, sinon il va y avoir des hérissons qui vont prendre le contrôle du chat. Hein. Oh bah, mon hangar est ouvert. Heureusement, j'avais verrouillé. Ouf. Chance. Il y a toujours des choses dedans. Oui, c'est bon. Personne n'a rien pris. Ouf, la chance. Tac. La richesse. Hop. Oh, je me ferai plus avoir, je suis invincible. Tac. Tac, tac. Là, c'est une armée de hérissons. Une vraie armée pour le coup. La menace hérisson. Ils ont pris contrôle. La dictature hérisson est instaurée. Qui pourra les arrêter? Nul ne le sait. Les hérissons cachaient bien leur jeu, je sais plus parler. Ils cassaient bien leur jeu, les fameux. Le cassage de jeu. Oui. On sent Julien qui a une grande expérience dans le... Une grande expérience dans le... Oh! Ça, c'est vraiment quand quelqu'un te fait ce genre de vanne, t'es vraiment obligé de faire... Oh! Alors, hop. On récupère ça. Tac. On récupère ça. Le halo à l'huile or. Au secours. Loup. Alors lui aussi il a acheté la sport car. Le Wistiti, ça je le savais, mais on doit prendre le contrôle du chat, toute résistance sera réprimée. Simon, me dis pas que t'es passé du côté hérissant. T'as pas le droit de nous faire ça. Ne dis pas que tu t'es rangé du côté du plus fort. Non. Moi qui croyais
Ta loyauté éternelle. Réprimé Rissan. Oh. C'est des Rissans qui terminent tes phrases. La contre-attaque des dragons. Ça devient une guerre. La guerre civile dans le chat. Allez, on va sortir la vroom vroom. C'est assez de ces jeux de mots. À l'aide, à l'aide. On va réparer la voiturette. Bon, du coup, on a fait deux trajets complètement safe. Je pense que la sport car, ça refroidit les gens, les braqueurs. Ils sont occupés à autre chose, je pense. Hop, du coup, on fait engine, get out. Tac. J'aurais bien aimé faire la réparation du véhicule. Pour ça, il me faut... Liqueur balai dragon, évidemment. Je me suis encore loupé. T'as, le pire, c'est que moi, je le vois pas, mais par contre, vous, vous le voyez hein, quand je fais une erreur. Hein. Ça, je peux pas y tromper. Hein. Je peux pas y échapper. Hein. Vous êtes trop attentifs à ce que je dis. Hein. Faut être un peu plus distrait, là. Hein. Je suis mort de rire, personne. Hein, mais... la fierté de la blague. Hop. Hop. Merci Mad, merci beaucoup. Merci beaucoup. 4 mois. Pour la peine, on monte dans notre vroom vroom. Je t'emmène faire un tour, Mad. Dans notre belle vroom vroom. Hop là. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. User joined your channel. Regardez, attendez. Hop, on va se mettre comme ça. On fait hop, comme ça. User left your channel. Tac. Tac, 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 regardez, 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 regardez. Caméra. Regardez. On est trop BG, regardez. Hop. Hop là. Ça va et toi? Ouais, dans notre fameuse vroom vroom. Hop. User left your channel. Cette distorsion d'image. on dirait moi t'as l'air refait ma vitale. Bon attends, du coup 30 secondes de chaise. Hop. Hop là. Salut à toi jeune entrepreneur. En mode selfie toléré par l'état. Allez, 30 secondes de chaise pour les abos. Comme j'avais pas trop d'inspiration, j'avais choisi la chaise. Même si c'est pas très agréable à faire. C'est pour ça que je parle. Combien elle a coûté du coup? Elle nous a coûté 30 millions. C'est-à-dire 9 dixièmes de notre fortune. Toi aussi, si tu veux acquérir ce genre de véhicule, on en a une dizaine dans nos garages. Arrête, tu nettoies la nitière et je te laisse manger. 4, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà, les jambes ont chaud maintenant. Ah, merci beaucoup, Mad. Et déjà 4 mois. Waouh. Ouh. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Faut que j'aille sur le pont avec. Hop, hop. Par contre, c'est vrai qu'elle tombe très bien quand elle va pas vite. Quand elle va pas vite, elle roule extrêmement bien.
J'avoue que si jamais j'ai des affaires officielles à faire, waouh. Repanza, j'espère que ça va mieux. T'avais l'air pas bien avec ton smiley. On a failli échapper à une dinguerie là. On va sur le point à 300 km, ça va super vite. Moi quand je roule vite, je roule pas extrêmement bien. Et ben moi quand je roule, je ne roule pas extrêmement bien. Ça suffit. Que ce soit vite ou non, oh ça va super vite hein. Par contre pour freiner. Moi oh, sur le pont j'ai le droit, peut-être pas sur l'aéroport, mais sur le pont j'ai bien le droit quand même. La police m'en voudra pas. Oh j'adore, je veux le refaire. On y retourne. T'inquiète pas Alice, c'est rien. Mais non, c'est pas rien, Panza. Et de savoir si on peut t'aider à aller mieux. Allez, let's go! Oh là là, j'adore faire ça. Oh, j'adore! Ah, par contre, le klaxon fait un peu pitié. C'est le klaxon de base. Hein. Bon, après, avec le bruit de la voiture, on n'entend rien. Mion! Dans 10 minutes, elle sera totalement détruite vu que tu conduis comme un parisien bourré. Souko qui se balade au milieu du massif central. Cette description était beaucoup trop beaucoup trop détaillée et beaucoup trop accurate. Non, non, elle va être nickel chrome. Regarde-moi ça. Pas un pet. C'est moi, elle roule qu'à 53. Hors des routes. Hors des routes, elle roule à 50. Elle est limitée à 50. Oh, dans la pampa, elle est limitée à 50. Regardez. Regardez, je peux pas dépasser les 60 km/h. c'est. En même temps, c'est bien. Et en même temps, c'est pas bien. En même temps, c'est pas bien du tout. 270. Hop. Nice, Julien. Pourquoi ton avatar il tient à. La taille avec le bouge. Attends. Tac. Attends. Coca cute. Attends. Tiens. Hop. Regarde. Attends. Fallait que je le déplace de toute façon. Hop. Là. J'ai une bouteille de coca. Voilà. Hop. Dans les mains. Voilà. User left your channel. C'est une bouteille de coca, regarde! J'ai un! Attends, je te l'agrandis. Coca cute. Regarde! Freine pas cette fois. Non, tu plaisantes. Attends, faut que je freine moi. Coup de mou, t'inquiète pas. Ok. Force à toi, Panda, j'espère que tu iras mieux. T'as trois mains, c'est une longue histoire. Longue histoire, tu poses des questions, Hop. Voilà. Tu poses trop de questions, Simon. Oui, j'ai un, mais bon. Voilà, quoi, hein. Écoute, on fait ce qu'on peut avec nos skills en dessin, hein. Bonjour. Bonjour. Bon, du coup, vraie question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que contact mec. Est-ce qu'ils sont décollés les contact bêtes? Je demande. Attends, hop, contact. Tac. Dispo pour cargaison? Je suis pas encore parti. Parti, c'est juste pour être sûr. C'est juste pour m'assurer de votre présence.
Pas dispo. Ok. Ça reste plus joli que Arma. Oh bah écoute. Vérifie ton microphone. C'est bon, les mutes. Let's go. Du coup, on va faire un trajet en rover. Hein. On reprend la rover. On a fait notre tour en véhicule. Les choses les plus courtes sont les meilleures. On va pas trop abuser. J'ai pas trop envie que les gens savent tout de l'emplacement de mon véhicule, d'à qui appartient ce véhicule. Donc la frime, ça a ses limites, surtout s'il me donne un coup de crosse au labo de mètre, tu vois. Donc je suis pas fou, hein. Je suis pas fou, faut pas déconner. Hop. Ok. Mais merci Julien, je sais pas si tu préviens pour que je vérifie que mon micro est bien activé pour que la personne m'entende, mais si jamais c'est ça, c'est extrêmement bienveillant de ta part et j'apprécie beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à oublier... J'ai tendance à oublier de me démute. Hop. Et oh, G1 là. Ça va avec les sous-entendus tendancieux, hein. J'étais obligé de t'engueuler sur ça. On sait jamais. Ouais, non, mais... Non, c'est très bien. Je te remercie de m'aider. Hop. Tac. On ouvre. Du coup, on reprend tout notre phosphore. Hop. On met tout ça dans le coffre de la voiture. Voilà, ça c'est ce qu'on fait depuis une dizaine de jours, hein, quand même déjà. 244, oh là là. Tu t'approches de la victoire, Julien. Tac. Hop hop hop. Non, j'ai ouvert le mauvais conteneur. Voilà, celui-là c'est le bon, c'est la voiture. Voilà, on reprend de la soude. J'ai dit de la soude. Qui se trouve ici, tac tac. On met ça dans la voiture. Voilà, et ensuite 3 de chaque. 3 de chaque, on va prendre 17. Tac. 17. Et 17. Tac. Ça va faire mal de tout dépenser d'un coup, j'avoue. J'avoue, mais tu vas voir, ça donne une certaine satisfaction. Hein. Comme moi à la sport car. Enfin, tu vas voir, ça c'est pas mal. C'est pas mal. On vérifie que la porte là-bas est bien fermée parce qu'on est... On sait jamais. De toute façon, j'ai verrouillé le stockage, mais bon, si jamais quelqu'un vient me pécho mes armes, ça me déprimerait un peu. Hop. Tac. Hop, hop, hop. Hop là. Et du coup, on prend le troisième chemin. On prend le troisième chemin en vroom vroom. Hop, on remonte par là-bas. Chut, tac, bonk. D'ailleurs, le prochain event d'Alchemy, j'aimerais bien pouvoir y rejouer en stream. Ça ferait 50 roule-roule. Ah ouais. De quoi me donner la bonne gerbe, quoi. Tu vois, c'est le manège à sensation chez soi. Hein. la pire chose, hein. Qu'est-ce que tu racontes, Simon? Tu lui fais dire nimp, mais nanny. Ah, Ultimate Code Power, d'accord. D'accord, ouais, tu peux clairement me faire lire un tu peux me faire lire un bouquin, hein, qui dit Ultimate Code Power. Ah, et tu fais des réductions, des redeems. Faut que tu me préviennes, hein, Simon, hein, parce que là j'ai du mal là-dessus. Hein. J'ai du mal là-dessus. Heureusement, j'avais compris. Je me suis dit, c'est quoi cette abréviation là? J'étais parti en. J'étais parti en ultra. Je sais pas du tout.
Finalement, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'était direct Ultimate Copper, mais j'ai mis du temps à y arriver. Hein. On va faire le lien. 500 caractères x 10. Tu peux en faire le double. Non, mais Mad. Mad, avec la quantité de points, avec la quantité de points que tu as accumulé sur chacune des chaînes, tu as une capacité de destruction digne de la bombe atomique sur Twitch. Hein. Oh là là, une centaine de roule. J'espère que personne n'est assez machiavélique pour économiser des points dans le but de faire ça. Hein. Le stream entier passe à tourner. Ultimate Quad Power! J'ai même plus comment j'avais trouvé le nom de cette redeem. Finalement, il n'y a que lui qui passe. Il n'y a que lui qui va bien. Je vais en faire 150. Eh ben, j'ai bientôt le demi-million chez Zev. Ouais, j'ai entendu dire ça. Hein. J'ai entendu dire ça, c'est pour ça que j'ai dit que tu as des armes assez impressionnantes. Je me sens petit face à vous, mais non, Julien. Allô. Oh, monsieur Ali. Allô. Alors, est-ce que je veux pas faire comme si t'étais un taxi ou quoi, hein, mais ma demande concerne un petit peu un service de taxi. Tu veux aller où? Est-ce que dans 10-20 minutes, tu pourras venir me chercher à la brigade de la carte? Parce que là, je vais faire une petite vente d'informations. Ah ouais, comme ça. Et après, je serai à pied sur la route. T'es devenu un informateur. Bah écoute, il se trouve, il y a peu de temps, j'ai rejoint un groupe peu scrupuleux. C'est pas vrai. Et retour, j'ai peu de scrupules avant de leur cul, on va dire. Vient d'arriver, donc. Ah ouais. Ah ouais. Attends, Ota, là, il y a des soucis. Comment ça la police vient d'arriver? La police elle nous a arrêtés là. Yes. Et du coup, il vous est arrivé quoi? Vous avez eu des soucis? Des infos pour être tranquille, quoi. Ouais, je vois. Après, s'ils sont passés, ils ont pas de chance de revenir. Soyons logiques. Stratégiquement parlant, En théorie. Vous savez. Oh, quoi que. Ah, oh, je réfléchis. Écoutez. 10% de la cargaison, ça, y a pas de problème. Ah bah. User joined your channel. Bah écoutez, voilà. On verra bien. Pas un problème, ça. Honnêtement, je joue un peu là. Oui. Écoutez, voilà aussi, hein, clairement, on vit pas sans risque. Hein. Je pense qu'il faut risquer. Depuis le temps que la police a des soucis avec moi. Alors, pas un problème. Quelconque information à nous donner. Des infos. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que j'ai de croustillant? Je peux donner des emplacements de hangars. Des emplacements de hangars qui fonctionnent très bien, je sais pas lesquels vous avez déjà. Moi, vous pouvez me dire, on a quelques hangars sympas. Vous parlez de hangars libres, du coup? Non, je parle pas de hangars libres, je parle de hangars très actifs, plutôt. Après, ouais. Vas-y, ouais, dites-moi. Bah, disons, par exemple, prenez du côté du traitement de l'acier. Traitement de l'acier, ah ouais. Traitement de l'acier, de ce côté de ce hangar, c'est waouh. C'est... J'avais vu ça de ma vie. J'étais en train de traiter de l'acier et il y a une armée qui est arrivée pour remplir les hangars. C'est assez impressionnant. Oui. Ouais, clairement. Okay. User joined your channel. Voilà, cette information peut être utile, clairement. Oh, je sais pas si elle sera utile. Mais au moins, ça permettra de vous protéger si jamais. Hein. Voilà, c'est ça, clairement. Surtout armés parce qu'ils sont très teigneux. Scorpio, c'est des bons vieux copains. Bah ouais, c'est bien le problème. C'est bien le problème, mais bon, vous savez, face à la force de l'ordre, je crois que tout le monde perd un peu ses moyens. Bon, ça dépend de quel côté de l'île on est.
C'est ça. Par contre, ouais, ce qui serait intéressant, hein, c'est de payer les scorpions pour aller récolter les dividendes des mecs qui vont vendre leur LSD. Ouais, bah après la LSD, c'est un peu le Far West. Hein. Moi personnellement. Le Far West. Bah, il y a beaucoup de monde dessus, quoi. Ah ouais, ça. Moi, j'appelle ça la ressource des intérimaires. Ouais, c'est ça. Ah bah clairement. Hein. Vous avez clairement raison. De toute façon, faut pas se leurrer hein, quand on voit un message gouvernemental apparaître avec avec 900 000 par camion. Oh là là. Oui. On se demande pas d'où ça vient, quoi. On se demande pas quel genre de ressources est farmé. Hein. Ouais, je pensais que c'était pour d'autres choses, mais effectivement, ça pourrait bien être ça. Bah en fait, je pense que oh, quoique peut-être pour du tabac. Non. De toute façon, c'est vrai que ça, je pensais pas que les civils pouvaient autant bosser sur des ressources inégales pour des groupes. Moi, je. Clairement, à mes débuts sur l'île, j'aurais bien aimé le savoir. Mais bon. User joined your channel. Hop. Tac. Ah, niveau bouffe, ça va être chaud là. Oh là là. Alors je pensais pas croiser des gens non armés de ce côté-là. Hein. Ou alors bah, peut-être que vous cachez vos armes. Je suis juste venu voir notre grand-mère hein, après tout. Ah, moi aussi je suis en pèlerinage. Moi aussi. Ah moi j'ai. Grand-mère elle a mis des trucs dans le coffre, elle a déconné. Ouais. Ah, moi je viens ici en pèlerinage, elle adorait me préparer des cookies bleus et ça, ces recettes elles étaient inimitables et il n'y a qu'avec ce poil là qu'on peut les faire. Donc, du coup en hommage à elle, je refais de ces délicieux cookies. C'est du bon chocolat. On va vous laisser. Bah écoutez, je pars aussi. Bonne journée. Ah bah écoutez, j'ai survécu à la police. Vous avez eu moins de chance que moi. Allez, bon courage. Ouais, je peux. Bah, ça dépend. J'aime faire profiter à mes copains. Microphone muted. Ils ont pas eu de bol, hein. Ils ont vraiment pas eu de bol, hein. Moi, j'ai croisé des flics une fois à côté, à la limite. Tu peux lui faire dire 150 fois et oh, tu verras. C'est vraiment le pouvoir de gâcher un stream. Du coup, attendez, je vous lirai après. Hein. De toute façon, maintenant tout est dans ma voiture donc je risque plus rien. Pour une fois, je me fais pas braquer. Très étonnant ça. Bizarre qu'il m'a parlé des 10%. Genre, c'était un ninja. Tu crois que c'est. Je sais pas si c'était un ninja. C'était peut-être un ninja. J'ai peut-être. Je les ai peut-être pas reconnus. Ils étaient uniquement en civil, je pense. Ils étaient en mode farming. Aïe. Je vais vous lire, hein. Désolé. Hein. Quand je suis en action, je préfère. Enfin, du moins, quand je parle à une personne, je préfère être concentré sur ce que je dis à la personne plutôt que de vous lire. Vous me pardonnerez. Mais je pense que c'était les ninjas. Je pense que c'était les ninjas que je les ai pas reconnus. J'arrive pas à les reconnaître, les ninjas, c'est terrible. Surtout si jamais ils changent de fringue comme ça. Hop, j'ai pas fait tomber de banc. Du coup. Je peux en faire 150, ça fait 300 à nous trois, je me sens petit face à vous. Chez Zeb, ça vaut de l'or en plus les points. Je croyais les mains c'était des ailes, oui je sais Julien. Tout le monde croit que c'est des ailes. Les policiers c'est des pigeons, bah clairement, tu leur donnes des informations n'importe quoi et ils gobent. Hein. Moi ça m'arrange, hein. C'est-à-dire clairement je serais prêt à baratiner au possible. Hein. 160, je reviens.
peux lui faire dire 150 et oh non mais à l'aide. Ouais c'est vraiment pour gâcher mon stream. Y'a un hélico là. Y'a un hélico là clairement. Oui. J'aime pas quand un hélico se pose aussi proche. J'ai peur, je sens que c'est trop proche de moi là. Parano, non, pas parano, tu vas voir. Tu vois si je suis parano. Tu bannes un mot et tu fais un ultimate quote. Non, j'avais interdit de faire ce genre de combo. Ils ont déposé quelqu'un. Bon, du coup, je dois aller chercher Ota aussi après. Hein. Donc, j'ai pas tellement le temps en fait. User left your channel. Hop, tac. User left your channel. Stockage de maison. Tac, c'est rempli. Microphone activated. Microphone muted. On vérifie qu'on était bien mute. Tac. Tac. Donc c'est calme par ici. Tac, 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 tac. Voilà, un farming de plus. Fallait pas mettre la redeem du coup. Ah bah écoute, Mia, c'est marqué dans les règles de la redeem en fait. C'est quoi le moban? Le moban, c'est vroom vroom. Panza. Qu'est-ce qui fait vroom vroom? T'as ton mot interdit. Après, si t'as envie de perdre des points, Mia, à essayer de braver l'interdit pour me faire dire le mot interdit. Mais je me réserve le droit de ne pas accomplir ta redeem parce que je ne l'autorise pas. Mais je t'empêche pas de tenter. Hein. Du coup, faut que j'aille à la brigade. Hop. Ah, merci. User joined your channel. Merci, Chef. Je vais prendre un diminutif. Voilà, le vroom vroom. Comment ça va? J'espère que t'as passé une bonne journée. Hop, nous, on va aller chercher... Ah, je vais tomber dans le coma. Oupsie. Hop. Hop. Tac, tac. Let's go. Bon, tant pis, j'ai bu mes trucs pour courir. De toute façon, j'ai pas prévu de refaire un accident. On va aller chercher Ota. Non, ce que diraient les flics si on retournait sur l'aéroport avec la voiture. J'ai envie de tester ça un peu. Tester la patience de la police. Ça gaz, je suis riche sur le serve. Ah oh. Bah nickel hein. Tant mieux. User left your channel. Oh non. Oh non. Oh non. Ah si. Ah. Oh. Le miracle. Le miracle. Oh. Le miracle. Oh, j'aurais pas marché.
Je te laisse, je me concentre sur le taf. Ok, courage à toi, Mia. Bonne fin de taf. Oh, le miracle, je peux encore rouler. Oh là là. J'aurais jamais dû pouvoir repartir. J'aurais jamais dû pouvoir repartir. Tac. Hop. J'ai eu juste de me prendre une voiture sur la route. Voilà. Là-bas. Parce que là, normalement, la voiture, elle aurait jamais dû pouvoir repartir. Je suis la chance incarnée. Non, j'ai besoin d'une arme. Oh, j'ai failli braquer la station. Parce que j'ai pas d'arme. Je me serais fait arrêter par la police. J'ai failli braquer. Du coup, Chet, tu m'as pas dit combien t'attends sur ton compte en banque. Dis-nous tout. Vends-nous du rêve. User left your channel. T'as dit le mot Ali, je sais. Je sais. Pourtant, j'essaye de dire vroom vroom, hein, mais il faut croire que le naturel revient au galop. Dommage. Chibi m'avait trouvé une solution, mais ça ne m'a pas aidé. Mon naturel m'a trahi. Quand il me fera le numéro d'OTA là par contre, il va me falloir le numéro d'OTA. Pas sûr que je l'ai. Ah, par contre, j'ai pris la mauvaise route. Oupsie, on va passer par la Pampa. Hop. Let's go. Il y a vraiment quelqu'un qui vit dans un taudis pareil. Genre au secours. Pauvre. Pauvre, il vit dans des ruines. C'est dur, hein, le budget, hein. Je le sais, hein, mais là, c'est compliqué, hein. J'aimerais pas vivre là-dedans. Je sais même pas si on peut mettre un stockage dans un truc pareil. Faut 10 poètes. MDR. Il faudrait qu'il me rappelle parce que je crois pas que j'ai son numéro. J'ai pas enregistré son numéro. Ah bah ouais, ça tombe bien. J'écoute. Allô Ali ? J'écoute. Tu t'en es bien sorti avec ce qui t'est arrivé ? Oui, ça va. Ils étaient pas méchants. Je pense que c'était les ninjas en civil. Ah, bah moi je sors de mon entretien avec la police. Je me suis fait un petit 3 millions. Ça, sérieusement ? Ouais. What ? Du coup, là je suis à une station essence à côté de. Ouais. À côté de la car. Ouais, je vois. Oh, attends, il y a une voiture cassée. Je viens d'avoir un accident. Attends. Je viens de rentrer dans une personne là. Bon, allez à toutes, je vais m'occuper. J'ai pas de repair kit. Enfer et damnation. Pardonnez-moi, mon brave, c'est de ma faute, je suis entièrement coupable. Ah, mais c'est vous. Oui. Ah, ouais, bah, ouais. Je suis désolé. Ouais, je sais, mais c'était moi qui arrivais d'en haut, j'aurais dû ralentir. Je suis désolé. Elle va bien votre voiture ou pas ? Attendez, je viens vous la réparer, y a pas de souci. Allez, venez. Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Elle est où ? Elle est là, elle est dans le champ. Voilà. Ah, par contre, attends, faut que je monte déjà dedans. Attends. Vas-y, attendez. Hop, voilà. Voilà, hop. Voilà. Ouais, désolé, hein. J'ai tendance à rouler un peu brutalement. Hein. Ouais, moi aussi, t'inquiète, je fais des go-fast.
Ouais, j'ai vu le dernier moment, je me suis dit oh, oh là là. Bon, écoute, on s'en est sorti, tant mieux. Pas blessé? Oh non. Oh, moi non plus, bah. Heureusement que c'est solide, hein, les go fast. Allez, voilà, c'est bon. Ah, c'est allez, à plus BG. Voilà. Microphone muted. Nickel. Ça va, Bitume. Ça va, ça va. Et paf, je lis celle-là, ouais. Microphone activated. Ouais, pas de soucis. Microphone muted. Allez, un accident, salut, tu vas bien? Eh bah écoute, en pleine forme, et toi? Comment vas-tu? Je pense que c'est par là que j'irai le mieux à Neosh, oui, ouais, c'est bon, par là. Ce sera le chemin le plus rapide. Ouais, ça va nickel, hein. Bah clairement, les accidents, c'est pas un souci, hein. On s'entend bien. Hein. On est bons copains, hein. Go fast. Ça va, merci, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va aller chercher Otari. Je crois que je t'ai croisé en allant traiter le diamant. Ah ouais? C'est pas impossible, c'est sur ma route, le diamant. C'est vraiment pas impossible, pour le coup. Jamais tu vois quelqu'un qui passe à fond les ballons avec sa GoFast noire, c'est clairement moi en fait. Toujours en Range Rover, c'est clairement la meilleure GoFast. Tellement plus simple. C'est plus bas. C'est cette rue là. Voilà. Avec un gros cam-cam et on a failli se rentrer dedans. Ah oui, c'est. Ah oui, oui, oui. Ok, oui, je vois. Oui, oui, je vois, je vois. Hop, engine off. Oui, 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 clairement, j'ai eu un coup de stress. Ouais, clairement, dès que je croise quelqu'un, en fait, je stresse. Allez, on va aller chercher Ota. Oh, bah dis donc, je suis passé au-dessus. Oh, oh, oh. Bon, alors ça... Comment ça se fait qu'ici, ça veut bien aller à 103? Je comprends pas. Je comprends pas, c'est un mystère. Des fois, ça veut bien, des fois, ça veut pas. En même temps, je vois jamais personne sur cette route, ça m'a étonné. T'es en... pas en robe, pas en robe, j'ai un en jupe, s'il te plaît. Respecte mon code vestimentaire. Je t'invite à respecter mon... à respecter mes choix de vie. Il faudrait que je note le numéro d'OTA. Hop. Hop là, on passe entre les pieds et genoux. Entre les, entre les murets. De toute façon, elle roule à 50. Hein. Elle roule à 50 dans la pampa. Hein. Ah ouais, quand tu t'approches de la route, ça va, elle accélère. Ah, tu vois, quand je m'approche de la route, elle accélère. C'est très marrant. C'est marrant comme système. User left your channel. Il est là ou pas? Il est là ou pas, Ota? Attends... Nous, on joue à l'airsoft en kilt. Mais il est pas dans le coin. Mais Ota là, pourquoi tu me dis de venir te chercher si t'es pas là? Je l'ai même pas, Ota, je suis sûr que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Attends, journal d'appel. Mais vraiment, ça marche pas ça non plus. Alors, t'es où? Je suis 398. Non, non. Oui, 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 c'est bon, je t'entends. Je suis à côté de la CA là, mais il y a des messieurs de la sécurité civile qui réparent mon véhicule. Ah bah attends, j'arrive. T'aurais oh, dû... Bon. Merveilleux, monsieur. Merci beaucoup. T'aurais dû m'attendre, tu m'avais dit de venir te chercher. Comment tu as retrouvé un véhicule? T'as fait le trajet à pied? Oh, je viens de te voir passer en voiture. What? Mais t'es où? Attends, attends, reviens en arrière, en fait, je suis dans la pampa. Ah.
User left your channel. Salut Ali. Coucou. Ali, je suis riche maintenant. C'est vrai ? Bah oui, oui. La police, ils m'ont saucé. Attends, t'as donné... Tout l'argent qu'ils m'ont pris, bah là, ils m'ont rempli. T'as donné le nom de combien de personnes, là, pour avoir autant d'argent ? Je peux pas en parler, c'est confidentiel. Combien de gens t'as mis dans la sauce avec ces informations ? Bah sinon, je vous le donne comme ça, hein, monsieur. C'est moi, je trouvais. Oh, voilà. Bah là, là, ils sont dans la sauce, hein. Alors, petite facture, hop. Merci beaucoup, monsieur. Merci, passez une agréable journée. Merci à vous aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, oui. Vas-y, rappelle-moi. Comme ça, on pourra parler. Faudrait que je note ton nom. Attends, je vais le prendre en photo. Alors, Ali, c'est pas du tout ma voiture. C'est une voiture qui a été abandonnée. C'est pas vrai. Ah, j'aime cette voiture. J'aime beaucoup trop cette voiture. Oh mec. Mec, le bleu, c'est... j'ai tellement choisi la meilleure couleur. Wow. Oh, ça a tiré là. Ça a tiré devant. Mais du coup, tu vas où? Tu vas hors salaire? Bah ouais, je pense, hein. Tu t'avais un truc de prévu toi, sinon je peux la garder un peu, hein. Non, bah écoute, si tu veux, je t'accompagne. Vas-y, bah attends, je mets mon super GPS. Vas-y. Oh, le bruit. C'est une voiture électrique, ça. Je pense pas, j'en sais rien. J'ai essayé de raccrocher, t'as pas une radio? T'as combien de tuning game? J'ai perdu toute... une radio? Si, j'ai une radio. Si, j'ai une radio, bah si tu veux mettre là combien? Je crois, bah celle sur laquelle t'es, hein. 245.5. Vas-y. Voilà. Route is being calculated. T'as combien de thunes in-game? In-game, là, actuellement, sur moi, j'ai 1 795 000. Parce que on a fait des grands changements. Oh putain. Ah oui, bah ça vient de se battre juste à côté en fait. Ça vient de se battre juste. Combien pour la radio, Ali? 245.5. Et il vient de se battre juste à côté en fait, on est au pire endroit. Ouais, bah on va partir parce qu'en plus j'ai un véhicule volé. Allez, vas-y. C'est dans l'autre sens. Mais attends, mais par contre, la police vraiment là, ils m'ont sauvé. Je m'attendais pas à ce qu'ils me passent comme mais ça. Mais tu leur as dit quoi? Tu leur as donné quoi comme info? Bah, tu sais le groupe là que j'ai quitté. Oui. Bah, j'en connaissais un rayon sur ce groupe. Et puis en plus, c'est des braqueurs fous qui braquent tout le monde, donc j'ai eu aucun scrupule. Au moment où je l'ai appelé, il était en train de faire un dossier contre eux, tu vois, donc il était vraiment très content de m'avoir au téléphone. Oh, ah, ok, je vois. Ouais, du coup, ouais, logique. Oui, Chétan, ma voiture coûte 30 millions. Voilà, c'est... C'est pour ça que je suis un peu low en budget actuellement. Ouah, il y a un camion qui arrive sur la route, fais gaffe. Ça va? Ouais, c'est pas passé loin. Il a pas peur qu'on la vole vraiment, mais normalement, je crois pas qu'il y ait d'autorisation pour la voler. Hein. Tu peux pas voler le véhicule d'une personne que tu braques, je crois. Hein. De toute manière, qu'ils essaient de m'arrêter hein, sur une route, je roule plus vite. Hein. Oui, c'est quoi tes routes là? Ton GPS il te fait passer par des endroits arbos, hein? C'est un raccourci, c'est des chemins de traverse. Ton GPS il te mytho, hein? Mais non, c'est des chemins de traverse, t'inquiète. Je me demande si c'est une go fast en vrai ton véhicule. Ouais, c'est une go fast rebelle. Ah ouais? Ouais. Tu vas te faire du pec là. Hein. Tu vas te faire du bénéf là encore. Hein. J'ai aucune idée de le coût de combien.
ça varie dans les 1 million, donc je pense que tu dois te faire un 120 000, un truc comme ça, ça perd 10% de sa valeur. Il perd 90% de sa valeur, donc du coup c'est divisé par 10. Donc ouais, si c'est 1 million 2, c'est 120 millions, tu vas... 120 000 tu vas te faire. Ah oui. C'est un petit bénef. C'était toi Xtrias dans le camion. C'était toi. Ah, faut faire attention là, elle est au milieu de la... Oh là là. Coucou Matt, comment ça va? Regarde Matt, ma belle voiture. Elle est toute belle. Wesh, t'es parti où? Ok, faut que je répare ma voiture un coup, t'as un repair kit. T'en as pas acheté? Bah en fait j'ai un parachute donc j'ai pas de place. Toujours avoir un parachute sur toi, c'est très utile. Alors, je te laisse monter dedans, la faire avancer un peu, et je te laisse la réparer parce qu'en fait j'ai pas la place de prendre un seul repair kit. Ah ouais, le parachute ça prend tant que ça? Bah en fait c'est considéré comme un sac sauf qu'il y a pas de place dedans. Ah ok, je vois. C'est un peu nul. Ton pote il m'a fait peur, du coup j'ai fait un gros écart. Et oui là, tu roulais très vite là quand même. Oh là là, oh, screen. Je prends un screen dès que je vais regarder ma voiture. Oh, je kiffe, je vais m'acheter une caméra juste pour prendre des screens de ma voiture. Mais du coup, je pense pas qu'elle soit braquable. Une voiture, c'est pas braquable, si? Non. Tu peux juste te la faire voler et tu peux pas carrer. Tu peux te la faire voler, mais tu peux pas braquer une personne pour qu'elle te donne la voiture. Donc en fait, en vrai, elle est full safe. Hein, donc bon. Vas-y, c'est bon, c'est réparé. Merci. De rien. Par contre, j'ai plus beaucoup de repair. Hein. J'ai plus de repair, donc tu fais gaffe. Ok, bien reçu. T'inquiète pas que je vais conduire prudemment. Hein. Elle va super vite par contre cette voiture, hein. Elle est grave maniable. Oh la mienne, moi je vais faire gaffe, hein. J'ai pas envie de l'abandonner dans la pampa. Elle patine pas trop toi? Ah non, franchement non, mais elle met du temps à démarrer. Elle met du temps à démarrer, elle a un temps d'attente avant de démarrer, dans l'herbe elle roule à 50. Attends, faut que je pose mon argent, j'ai encore ça sur moi. J'ai pas fait gaffe. J'ai marqué un point, enfin même plusieurs. Oh, le mot interdit. Oh, j'ai dû le dire une dizaine de fois. T'étais obligé, hein. T'as vroom vroom là. C'est ta vroom vroom. Une super vroom vroom, hein. Je vais acheter des repair kits. Je vais acheter du rab, on va en avoir besoin. Tac. Vous allez voir que je vais avoir bien fait. Bah, à la station. Je pense qu'on peut laisser le mot interdit derrière nous. Je pense que le mot interdit a fait son œuvre. Je pense qu'on peut l'abandonner maintenant. J'ai fait assez de pompes, ouais, je crois. T'es déjà parti ou pas? Ouais, je me dirige là-bas, mais tranquille. Je sais pas par où t'es passé. Alors, le revendeur, il se trouve, tu vois, quand tu montes vers la mine d'uranium, bien à droite. Bien à gauche, t'as un truc qui est écrit Pharos avec deux petites maisons. Ah d'accord, je me rappelais plus trop de l'emplacement. Allez, je te rejoins, comme ça je vais pouvoir te prendre pour le retour. Parce que moi c'est le souci du revendeur, hein. Ah, c'est qu'après t'es à pied. C'est ça. Puis y'a plus de remorquage, hein. C'est dommage qu'on puisse pas genre changer la plaque de la voiture et la prendre pour soi. Alors moi, tu sais, j'ai fait une transaction de vente de ma GoFast hier soir dans la nuit. J'ai donné ma GoFast en permanence à quelqu'un.
Il m'a payé pour, il m'a payé pour, mais... il me l'a, je l'ai vendu 1 250 000. Ah, mais tu l'as vendu plus cher que le prix d'origine. Oui, mais au final, avec l'assurance, j'ai pas été gagnant. Mais je voulais pas, qu'il me laisse tranquille, donc... T'as vendu ça à un rebelle? Je sais pas, un mec qui en avait besoin. Et Askip, c'est pas interdit, donc je l'ai fait. Hein. Mais la prochaine fois, je ferai un BNF dessus, hein. Faut pas croire. C'est pas interdit, hein, mais si c'est un rebelle, il est baisé parce qu'il a pas le droit de la sortir. C'est pas un problème, moi. Ah bah oui, une fois que c'est vendu... Clairement, Osef, hein. GG! GG, Julien. Bien joué. Enfin! Tellement stylé l'auto, ouais, elle est trop bien. On s'en trouverait une entreprise de ça. Nice. J'adore cette voiture. Rouler avec, c'est un bonheur. Se prendre un mur avec, ça va être un bonheur. Elle a pété, bon. Elle a pété, mais elle le vit bien. Tac. T'es déjà arrivé là-bas? On va pas encore. Je t'avoue que je fais gaffe, moi. Ouais, ouais, moi aussi, j'y vais vraiment tranquillement parce que là, ça, c'est assez arpenté. Ouais. Chemin de montagne. Y'aura là in April. Et bah, toi, si tu veux, Julien, avec plaisir. Faut faire vraiment très attention. Je le connais un peu l'opening de Girl in April. C'est lequel que tu veux que je chante? Que je chante l'opening? Le problème c'est que c'est un duo, bah c'est pas grave, hein, je le chante, hein, mais... Je me demande si quand tu vends la voiture de quelqu'un, il la perd définitivement ou si juste ça... Je pense que c'est définitif. Matt te confirmera, je crois qu'il a déjà perdu des véhicules comme ça. Il le perd définitivement. Normalement. Et Nice Julien a bien joué. Ouais, c'était dans la norme. Ah oui, y a 4 places. Oh là là, mais gros, mais l'intérieur. Y'a 4 places. C'est putain, mais t'as un écran. Putain, oui, j'ai un écran. Hop, putain, mais tes rétroviseurs, c'est des... C'est à l'intérieur, ouais. C'est à l'intérieur. Incroyable. C'est à l'intérieur. Si je suis pas là, fais t'inquiète, on le fait ce soir, Julien. On fera ça ce soir, t'en fais pas. Je te ferai ta petite chansonnette. C'est un ordre, oui, non mais t'inquiète. Mais du coup, tu m'as pas dit si tu voulais l'opening ou l'ending. Parce que je t'avoue que je sais pas, sans doute l'opening, hein, je veux dire, ça me semble logique, mais... Voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour rouler prudemment avec la beauté, parce que 30 millions... Wow. Bah, je t'avoue, avec un petit peu le lag, tu roules pas prudemment du tout. Hein. Ah genre, ouais. Tu fais des TP dans les arbres et dans les cailloux. Ah, super. C'est rassurant, okay, ça. C'est juste dans un rêve. Bah, heureusement, moi, dans ma réalité, ça va. Dans ma réalité, ça va. Le problème, c'est qu'elle fait des pointes à 400 en 5 secondes, donc je t'avoue que j'effleure la touche avancée. Hein. Je la caresse pour avancer. Et hier soir, là, j'ai fini à 6h30. J'étais. Ouais, ouais. Reprendre la nuit quand tu t'es remis de journée, mais c'est. Ouais, l'enfer. Courage, BG. J'aimerais bien être rentier. Genre, j'ai 4 apparts à Paris que je loue 2 000 € chacun. Voilà, comme ça, y a pas de soucis. Ah bah, tu te fais du fric, hein. Sur le dos de pauvres étudiants pauvres. Bon, le pauvre étudiant, il va pas se prendre un appart à 2000 balles. C'est vrai. Il va se prendre la chambre de bonne de carré à 1000. Il va se prendre un KGB. J'avoue, il y a à peine 500 € de différence, tu sais. L'armoire à balai pour 1000 € par mois. L'opening, ok, nickel. Coucou Mikoto.
Tac, je reviendrai ce soir, j'ai croisé personne que toi et ton partenaire en rouge ou diamant. Bah écoute, désolé Axtrias, il faut que tu... Je pense que c'est vers la sport car que tu vas croiser des gens là, actuellement. Dans la personne qui te parle là, c'est ouais. Celle que j'ai vue au diamant quand la police est venue me récupérer. C'est possible. C'est possible. Comment ça va Mikoto? Toi aussi Mikoto, tu as eu une petite nuit. Hop, du coup, on passe là. Enfin, ça c'est en zigzag mais il n'y a pas d'obstacle. Donc, du coup je vais tout droit. Bon attention la roue elle est abîmée donc ça servirait à rien. Allez un petit café pour la route. Tu vas à la boulangerie. Non cette fois-ci t'as dit. Ça y est là j'ai du café et du sucre. C'est pas vrai. J'ai pas de sucre, je vais à la boulangerie et je prends du sucre. Alors c'est gratuit. Tu vas dans la boulangerie, je prends du sucre. Du sucre. Tu prends le glaçage du croissant. Non mais ils ont des petits trucs, des petits trucs de sucre. De toute façon maintenant ils te connaissent donc. Bah ouais. Tu pardonnes. J'ai pas de sucre. Oh bah vas-y. Vas-y Ota. Tac. Par contre, pour sortir du véhicule, mon pote, il faut. Il y a un délai. Hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, tu peux choisir quelle porte tour, mais c'est incroyable. Ah, mais attends, oui, c'est ouais. À toi, ça c'est ton ouais, garage. C'est à toi. C'est à moi, et ça va être à toi pour que tu puisses sortir un beau véhicule. Un beau véhicule, mais je ne possède pas de ce jeu, de ce type-là. Tu plaisantes, moi je sais que tu as eu une belle. Et comment. Là, tu m'as passé les clés, comment je. Tu fais Windows. Ah, okay. Dedans, à l'intérieur. Au garage. Une petite nuit, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, Mikoto. Voilà ce que j'appelle un beau véhicule. Voilà, en route, monsieur. Allez. Il y a quelqu'un qui avait la même Cadillac. Oh putain, il met encore la main sur l'épaule. Bah oui, Cadillac en orange. Elle était. Une rouge, une rouge, une rouge. Bordeaux même. Mais il faut le tuer. Je veux pas que d'autres personnes possèdent une Cadillac, attends, mais. Bah en général, tu stream de nuit, c'est pour ça que je parle de petite nuit, Mikoto. Je mange burger maison, nice. Écoute, je pense que je vais aller hors de l'île. Bientôt. Hors de l'île ? Ouais. Oh. Bon, je te fais une petite promenade en Cadillac. Alors. Vas-y, vas-y. Écoute. Non, c'est pas copyright, ça. On verra. On le saura très vite. Je stream plus le mardi soir. Ah pardon, je ne savais pas Mikoto, excuse-moi. Par contre, baisse le volume, je l'entends très fort. Ah, ça va, quand tu parles, ça va. Donc c'est bon. Continue de chanter. Vas-y, Ota. Il recommence. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais non, mais c'est une Clio, ça se vend. Ça s'achète 1000 balles. C'est plus cher d'acheter un lockpick. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vais pas aller la revendre. Non, 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 non. Mais tu vas faire quoi avec? Bah, je vais rouler. Ce soir, je suis pas en état. Ah, courage, Mikoto. Courage, toi. Rien. Y'a rien. En route. Je prends ta Cadillac. Je te laisse la Cadillac. Je découvre. Ah ça roule bien. Je t'ai monté à 200 mais là elle a une route cassée donc elle ira pas plus haut que 100 ou 140. Ouais c'est bien. Genre c'est pas plus mal. Allure de croisière quoi pour profiter du paysage. Oh c'est bien, c'est bien. En vrai, j'ai pas à m'embêter, c'est tranquille.
Puis elle fait pas de bruit surtout. Pas comme la mienne, hein. La mienne, elle rugit même un peu trop. La tienne, elle est très calme, très douce. User joined your channel. Attends. Attendez. Merci Bitume pour le follow. Ah bon, je sais pas. Attends, hop. Prends un peu de vitesse. Il va s'envoler. Voilà. Désolé, je passe pas de rien, désolé, je pars pas trop sur le chat. Non mais t'inquiète, t'inquiète, je vais aller faire les 15 pompes de follow parce que c'est la devise par ici. On peut monter ici. Je t'ai jamais monté dans un moulin. Oh, on peut. Oh, on peut. Mais quoi? T'es passé où? On est pas bien derrière ces petits moulins quand même. Elle est passée où la voiture? T'es blessé. Microphone activé. T'es blessé. Non, arrête, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait avec la Clio? Je suis pas blessé. Elle a volé où? Je t'ai pris un petit screen, je le posterai. Avec le moulin en arrière-plan, avec ta petite Cadillac. Vas-y, monte en conducteur. T'as du style. Attends, faut que j'y arrive. Mais quoi dans ma tête, dans ma tête fer à l'aide. Hop. Voilà. Parfait. Bon vas-y, je décolle là moi. Ouais, la même, j'ai arrêté là. Allez. Attends, je vais faire le sync data et puis là je vais aller faire mes karaokés. Karaoké à faire. Oui. Je dois chanter un opening. Un karaoké précis, 15 000 points. C'est un investissement. Hein. Merci Flo Gaming. Je t'invite à parler si tu as envie que je fasse 15 pompes de plus et que je me retrouve avec 30 pompes à faire d'un coup. Ça, quel enfer. Tac, tac. Hop, hop, hop. Ah, l'étirement. C'est l'heure de pousser la chansonnette. Hop, déjà, je vais faire les 15 pompes pour notre ami Bitume. Hop là. Voilà, au plaisir de vous croiser sur Arma, hein, comme d'hab. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh là, je sens que mes bras ils vont tomber là. C'est pour ça que je me suis dépêché pour les faire, je sens que mes bras ils vont lâcher. Ah! Allez, let's go, Julien. C'est l'heure de ta rythme. Hop. Tac. On déco. On change la catégorie, on met... Tac. Tac. Alors, hop, on supprime tout ça. C'est bien parce qu'on n'aura pas à s'embêter à devoir chercher pour le karaoké aléatoire. On va directement aller faire notre chanson. Par contre, je crois qu'elle va vite quand même. Cette musique, elle va vite. Mais bon, on va faire notre mieux. Je vais essayer de faire au mieux. Faut que tu ne regrettes pas la redeem. Hop, on va supprimer aussi TS pour ne pas entendre des user join your channel. Hop, ça on swap Arma, on va le supprimer. Où est-ce qu'il est? En vrai ça va pas trop vite. Ah bon, si tu le dis. Tac, on met internet. Hop, Karamoué. Allez, let's go. Voilà, c'est déjà capturé. Le monde est bien fait. Tac. Tac. Ok. L'opening. C'est l'opening 1? Ouais, c'est l'opening 1, c'est sûr. C'est sûr que c'est l'opening 1. Le chibi. Attends, le chibi. Nickel. Tac 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 tac.
Le tien. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, mon chibi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah, s'il y a juste moi sans rien, aucun détail, c'est justement pour que tu puisses voir les images. Le celui qui bouge. Ah, tu veux me voir bouger? Oh, c'est bien parce que c'est toi. Vas-y, je vais lancer Vessi Face. C'est vrai que j'ai pas encore bougé depuis, depuis les débuts des streams Arma. Allez hop, on va dégager le faux. Hop. Le vrai arrive. On laisse juste la bouteille de coca dépasser. Allez. Tac. Hop. Bonjour. Bonjour. Voilà. Attends. Voilà. Là, c'est bon. Par contre, j'ai la tête penchée. Attends, attends. Ah, c'est bon. Toujours pas. Là, c'est bon. Voilà, nickel. Ah. Voilà, parfait. Hop, par contre, je prends un peu de place. Hop. Voilà. On se met en plus petit. Let's go! Les effets spéciaux, eh, on croirait presque, hein. On croirait presque que je suis un vrai VTuber, hein. Comme un vrai. Allez, let's go. Donc, je suppose que c'est l'opening 1. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, on va augmenter le son pour que ça corresponde bien. Oh punaise, je pense pas que je chanterai cet opening un jour. Je pense pas que je chanterai cet opening un jour. Oh mon dieu, c'est Ilan qui serait content. Oh, ah, ah. Allez, let's go. Allez, Julien. Surtout sur le refrain. Il y a que le refrain que je connais. Voilà. Voilà, voilà. Mais très bon opening, hein. On est d'accord, hein. Très bon opening. J'espère que ça t'a plu. Plus l'opening que moi, hein, clairement. Hein, il dirait mieux que moi. Hein. Merci, Ota. Magnifique. Alors, je suis pas sûr de ça. C'est plus l'opening que moi. Hein. Clairement, je pense que n'importe qui pourrait, peut réussir avec une qualité d'opening comme ça. Du coup, bah, je pense que c'est tout bon. J'espère que personne n'a prévu de mettre de karaoké aléatoire. J'étais snappé. A l'aide, non, j'ai un. Je suis spotted. Merveilleux. Ben, merci, merci. Merci, merci, mais je pense pas que je l'ai bien réussi. Hein. Y en a d'autres que je réussirais mieux. Voilà. Ah, écoutez. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas été notif du screenshot, hein. Ah bah non. Allez, scène de base avec moi, le faux. Oh mince, pourquoi tout est relié comme ça? Il est où le vrai? Il est là le vrai, hop, hop là. Attends, hop, faut déplacer celui-là. Voilà, hop, voilà, me revoilà ici. Tu fais comment pour cet avatar? Eh bien, Xtrias, c'est de base, c'est comme ça que je devrais être pour tous mes streams. Le train de live, non, commencez pas. Mais merci beaucoup, Ota, pour les 200. Merci. Travesti en robe, eh ouais, t'as vu? T'as vu ça, G1? Eh ouais, on a peur de rien par ici. Et du coup, oui, Xtrias, c'est mon principe, le principe de base de ma chaîne, c'est d'être un VTuber, c'est-à-dire d'avoir un avatar virtuel qui suit les traits de mon visage. Voilà tout. Go Telegram. Oh non! G1! Oh G1, il l'a. Oh putain, il l'a fait. Oh. Voilà, malheureusement, mon PC n'a pas les ressources nécessaires pour que je puisse faire tourner mon avatar en même temps qu'un jeu. Mais c'est comme ça que ça devrait être. Et il y a plein de gens qui peuvent le faire. Et c'est très sympa pour eux. Du moins, ça permet de mettre un visage sur une chaîne sans pour autant mettre la cam. C'était l'idée de base. On aurait dit une fillette qui pleure à l'aide. Arrête, arrête, G1. Je ne réponds plus de rien. Allez, hop. Allez, on va aller raid quelqu'un pour la fin. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ouais. 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 Tac, tac, tac. Yo Ali, pas en jeu, désolé Nemo, je viens de finir. Je viens de finir, peut-être ce soir c'est possible. Mais non, mais je vais pas raid Riri, t'inquiète pas. Hein.
Je pense qu'il y a des gens qui en auront bien plus besoin. Je pense qu'il y a des gens qui ont bien plus besoin d'être soutenus. Je pense que Riri a pas de soucis avec ce, avec ça. Disons que c'est pas pour une volonté de pas la raid, hein, mais clairement, je dans un souci d'équité, je vais plutôt aller voir des gens qui n'ont pas son nombre de viewers, tout simplement. J'ai envie d'aider des petits nouveaux à continuer plutôt que de faire un raid inutile chez quelqu'un qui va continuer forcément. Du moins, je l'espère. Bah, par contre, je sais pas qui on va raid. Hein. Ça m'a pas arrangé. Hein. Qui c'est qu'on a déjà raid? Je me rappelle plus. Ça, c'est déjà raid. Ça, on a déjà raid. Let's go. Let's go chez cette personne. Voilà. Du FF, pourquoi pas? Tu m'as fait m'étouffer, Aline. Mais j'ai un, je viendrai plus te voir sur Discord. Maintenant, je peux plus te regarder en face. Quelle idée de venir dans mon chat au moment où je fais un karaoké aussi. Tu t'en doutes, hein? C'est vrai. Mais clairement, peut-être un jour, hein. Peut-être un jour, arrête de rire. Hein. Ça reste possible, hein. Si toutefois, il n'y a pas d'autres VTubers qui m'offrent un contenu qui m'intéresse, clairement, j'irai, hein. Soyons honnêtes. En tout cas, le raid se lance. Envoyez plein d'amour à la personne qu'on va raid. Je sais pas qui c'est, mais je sais que ça joue à du FF, donc un peu MMORPG. Merci beaucoup pour tous les gens qui sont passés sur le stream aujourd'hui. Merci G1 pour avoir parlé aussi longtemps. Hein. Merci Ota pour toutes les donations. Merci Matt pour ton abonnement suivant. Écoutez, on reviendra sans doute dans la soirée, peut-être pour un peu de satisfactory avec Matt, si jamais il est dispo, je lui demanderai. Ce sera avec plaisir de vous revoir ce soir, si les gens qui seront dispo, ceux qui ne sont pas dispo, passez une bonne soirée, soyez contents. Salut mon pote. Salut Simon. Et qu'est-ce que je peux dire de beau, à part merci d'être là pour discuter, hein. Chez Karma, c'est pas le top du contenu, mais vous me permettez de passer un bon moment et j'espère que je vous fais passer un bon moment aussi. Sur ce, bye bye tout le monde. Et bye bye, c'est tout. Hein.